Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer. Tout le monde est arrivé ou en cours? Non, il manque Carole. On attend un petit peu ou on commence? On commence. Peut-être avant de commencer sur les secrétaires de séance, la dernière fois c'était au groupe d'un sous-citoyen. Normalement, c'est votre tour. C'est bon pour vous, Monsieur Garcia? Ah. Eh bien voilà, Et pas Carole. Carole. Allez, je vous propose de commencer. Donc bonsoir à tous. On va commencer par faire l'appel. Françoise Doisy. Présente. Djemel Bensassi. Présent. Marie-Claire Loz. Présent. Robert Benazé. Présent. Marie-Christine Roch. Présent. Guy Desbonnets. Présent. Véronique Roux. Présent. Sébastien Massa. Présent. Chantal Thomassin donc, a donné procuration à Marie-Christine Roch. Oui, c'est bon. Sébastien Massa, Jean Villain, donc procuration à Guy Desbonnets. Christian Correa. Présent. Michel Gouret. Présent. Angela Banuta. Présent. Vincent Didier donc, a donné procuration à Jean-Luc Troncot. Sylvie Roux, présent. Carole Ejengele, Marc-Olivier Bensassi, présent. Cynthia Emmerich donc, a donné procuration à Véronique Roux, présent. Lucas Morici, présent. Denis Payard, présent. Dominique McCook, présent. Yacine Lala, présent. Olivier Delmas, Laurence Large, donc procuration Sandrine Aguilbosque. Sandrine Aguilbosque. Jean-Michel Garcia. Corinne Morici a donné procuration à Lucas Morici. Et Hélène Pierson. Elle doit être là. Bon, donc on dit présente et si jamais elle ne vient pas, on rajustera en disant qu'elle est absente. Alors, secrétaire de séance, on a dit, c'était Monsieur Jean-Michel Garcia. Hein? Alors ensuite, nous avons à approuver le procès-verbal du Conseil municipal dans sa séance du 9 février 2023. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, donc je passe au vote, donc qui est contre, qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. D'accord. Bon, écoutez, on va commencer. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons aborder notre séance budgétaire. Hein, donc, je rappelle, avec un certain nombre de délibérations à la fois sur l'exercice passé, compte de gestion et compte administratif, et sur l'exercice à venir, donc l'affectation du résultat, le vote des taux, le budget primitif. Donc, nous allons commencer par la délibération numéro 1 qui concerne l'approbation du compte de gestion 2022. Donc, je rappelle la mécanique, le compte de gestion, c'est le document qui est tenu par le comptable public, qui est un comptable indépendant de la commune, et qui tient un compte de gestion qui doit être conforme avec notre compte administratif qui est de la responsabilité de l'ordonnateur, donc du maire. Voilà, c'est une sécurité pour que les écritures comptables soient fiabilisées. Donc, Françoise Doisy, première adjointe en charge des finances et des RH, va présenter cette délibération. Peut-être, voilà. Alors, en ce qui concerne, donc on peut déjà passer à la planche suivante, puisque c'est le compte de gestion directement. Ah, il y a un petit bug. Voilà. Donc, ça nous dit qu'en section d'investissement, nous avons un solde négatif de 421 148,90. La section de fonctionnement, le solde est positif pour 289,233,80, ce qui nous donne un résultat de l'exercice 2022 de 131 915,10. On peut passer à la planche suivante.
Donc, ce qui nous donne, on retrouve le résultat de clôture de l'exercice en cours qui était de 1 277 502. On rajoute le solde de clôture de l'exercice précédent qui était de 1 852 705 29. On déduit la part affectée à l'investissement de l'exercice 2022 qui était de 443 287 39 moins le résultat de l'exercice 131 915. Et on retrouve un résultat de clôture de 1 277 502 80. On peut passer aux questions ou au vote. Voilà, donc y a-t-il des questions sur ce compte de gestion? Donc s'il n'y en a pas, je passe au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à l'unanimité, merci. Alors, nous passons au compte administratif 2022, donc, qui est le document budgétaire qui constate l'exécution du budget pour 2022. Françoise Doisy donc, nous présente cette délibération. Alors là, nous avons les recettes de fonctionnement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ces recettes de fonctionnement cumulées s'élèvent à 8 117 045. Donc, ce n'est pas le montant que vous avez là. Pourquoi c'est pas le montant? Oui, parce qu'il faut rajouter les 800 000 euros d'excédent reporté qu'on va retrouver plus tard. Donc le réalisé est supérieur au budgétisé. Les recettes fiscales ont été supérieures du fait de la revalorisation des bases qui se font au même niveau que l'inflation. Oui, par l'État. Oui, c'est vrai qu'il faut bien préciser que c'est pas nous qui revalorisons les bases, mais c'est l'État. Ce qu'on peut dire sur le chapitre 73, impôts et taxes, donc qui s'élève à 5 391 621, là-dedans, il y a la fiscalité directe locale pour 4 037 les AC et DSC qui sont les subventions du SICOVAL pour 798 103. En ce qui concerne le chapitre 74, les dotations et participations de l'État, elles, malgré l'inflation, elles sont restées stables, donc il y a eu une augmentation. Dotation de l'État, c'est 508 572. Et on retrouve ici la compensation de l'État pour la taxe foncière pour 279 881. Que vous dire d'autre sur qu'il y a aussi, toujours sur ce chapitre 74, il y a 102 475 euros, dont la subvention pour le département pour l'école de musique. On peut passer à la suivante, les dépenses. Alors, non, on est toujours sur les recettes. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui vous donne en fait la répartition. Donc, on voit bien que les impôts et taxes, c'est pratiquement 75%. Et ensuite, bon, pour le reste, c'est ce que je vous ai dit, mais on voit une répartition peut-être un peu plus claire là-dessus. Donc, maintenant, on peut passer aux dépenses. Alors, les dépenses, nous avons 7 027 811,95 de réalisés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une inflation, tout le monde le sait, mais qui a été de 6%, donc ça a eu un impact sur ces charges, notamment sur la hausse du coût des fluides dans l'électricité et le carburant. On le voit au chapitre 11, puisque nous avons 125 000 euros sur cette hausse uniquement. Nous avons aussi le fameux contentieux Solgest, qui est un vieux contentieux dont l'équipe municipale actuelle a hérité, pour 68 000 euros, ce qui nous donne déjà, ces deux montants-là, une hausse de 193 000 euros. Au chapitre 12, les charges de personnel, nous avons également une hausse de 200 000 euros, c'est une hausse imposée, avec l'augmentation du point d'indice décidé par l'État de 3,5%, l'augmentation du montant de l'assurance statutaire de façon unilatérale de 132 000 euros, mais augmentation et assurance pardon, qui a été dénoncée à ce jour, il y a eu une nouvelle consultation qui nous a permis d'économiser 130 000 euros pour des couvertures identiques. Donc ce qu'on peut dire sur les dépenses, ce sont des dépenses maîtrisées, puisque le réalisé traduit une sous-consommation des dépenses de gestion courante, moins 160 000 euros entre le BP et le compte administratif 2022, avec une prévision plus juste des dépenses personnelles, et ceci malgré l'impact de l'inflation. Donc, il faut garder à l'esprit qu'une part de nos dépenses et de nos produits de fonctionnement dépendent d'organismes ou d'entités extérieures qui sont l'État, le SICOVAL, la CAF, le SDIS, 6,9%
d'augmentation et qui sont eux-mêmes soumis à des tensions budgétaires. Alors là, on a à nouveau un graphique. Donc, on voit que les charges de personnel s'élèvent à 55,08%. Il faudrait déduire les 130 000 euros de remboursement pour les arrêts maladie. Et il faut savoir que pour les communes de même strate, les charges de personnel sont à 57,6%. Alors, on en a fini avec avec le fonctionnement. On passe à l'investissement. Donc, les recettes. Donc, les recettes, je pense que là, c'est assez clair. Ce qu'on voit, c'est que les recettes s'élèvent à 3 570 566,68. Donc, nous avons, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les recettes les subventions, pardon, d'investissement, nous en avons perçu uniquement 50%. Nous avons un reste à réaliser qui va se retrouver en 2023. Quoi d'autre? Bon, on voit l'emprunt de 2 millions. Et puis, bon, pour le reste, il n'y a rien d'exceptionnel à dire sur les investissements, sur les recettes. On peut passer aux dépenses. Alors, les dépenses. Nous avons un certain nombre donc, d'opérations d'équipement. Donc, le réaliser est en dessous, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites. Donc, un peu plus de détails. Donc, le gymnase, bien sûr, qui nous coûte 2 752 370. Ensuite, on peut parler, en suivant, de la voirie et des réseaux, pour 297 420, l'entretien du patrimoine. Ce que je peux vous dire, notamment sur l'urbanisme, c'est que ces 97 811 euros concernent le PLU et le bourg-centre. L'aménagement des écoles, qu'est-ce qu'il y a derrière les 34 295 euros? Des climatiseurs, des stores, du mobilier. Et en ce qui concerne les acquisitions des services techniques, donc c'est surtout tout ce qui va sur les espaces verts, enfin qui concerne les espaces verts, les arbres, les fleurs, mais aussi tous les aménagements pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ça va des places PMR à tous les aménagements qui ont été faits en suivant. Les acquisitions, donc dans les 94 963,95, il y a de l'informatique pour 63 000 euros pour une mise à niveau. Donc, on peut passer à la planche suivante qui, elle, va nous donner donc le résultat de l'exercice. Donc, ce qu'on peut voir en fonctionnement, nous avons un résultat en excédent de 1 089,233,80. Donc, c'est bien un résultat positif, hein, je précise. En investissement, nous avons un résultat de 188 269, auquel on va ajouter les restes à réaliser reportés en 2023, ainsi que, non, c'est tout, et on arrive au résultat de 761 248,91. Donc, je ne sais pas si on a une autre planche, non, on va avoir l'affectation des résultats. Bon, je pense que là, j'en ai terminé avec le compte administratif. Merci beaucoup, Françoise. Donc, ce qu'il faut retenir quand même de cet exercice 2022, qui a été un exercice atypique à plusieurs titres, d'abord parce que la commune, à l'instar des autres administrations, des entreprises et des ménages en France, a dû faire face à une inflation particulièrement élevée. De décembre 2021 à décembre 2022, on a une inflation de quasiment 6% qui s'imposait à nous, qui était une situation exceptionnelle. Nous avons également dû faire face donc à un certain nombre de dépenses d'équipement que nous avons dû financer. Hein, donc Françoise en a parlé. Donc, un niveau d'investissement important sur la commune que nous avons maintenu, donc le nouveau gymnase, la voirie, l'équipement des services, le remplacement de l'éclairage public par des ampoules LED, etc., etc. Et nous avons, je dirais, maintenu ce niveau d'investissement élevé et nous avons fait face à cette inflation élevée sans augmentation d'impôts, alors même que les dotations de l'État étaient stables.
Et nous l'avons fait, eh bien, grâce à des efforts sur le fonctionnement courant, là aussi, qui ont été nécessaires, parfois douloureux. Je vous rappelle la séance de conseil municipal exceptionnelle que nous avions décidée à la fin de septembre pour être réactif et pour pouvoir mettre en place un plan de sobriété énergétique qui a fait que nous avons limité la hausse des dépenses d'énergie qui sans ça aurait été beaucoup plus importante. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cet exercice 2022 et je vous propose maintenant de passer au débat. Y a-t-il des interventions sur ce sujet ? Monsieur Lala. Donc, Madame Doisy, Monsieur le maire, merci pour cette présentation. En fait, bon, il n'y a pas de réelle surprise dans l'exécution de ce budget 2022, si ce n'est le constat d'un niveau, disons, relativement moyen de 60% d'engagement des dépenses en investissement qui aurait mérité peut-être une meilleure évaluation budgétaire. Néanmoins, cette réalisation budgétaire 2022 fait monter une inquiétude réelle qui se porte surtout sur la maîtrise perfectible des recettes et des dépenses de fonctionnement qui ont été réalisées. Les dépenses à caractère général augmentent tout de même de 13% par rapport à 2021, il y a effectivement des raisons, vous l'avez précisé, et de 30% cumulées par rapport à 2020, alors que les recettes de fonctionnement augmentent de 2% par rapport à 2021 et de 11% cumulées par rapport à 2020. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, la dépense en soi n'est pas forcément un problème si des services supplémentaires sont offerts à la population, mais j'avoue avoir du mal à les identifier. Les dépenses augmentant plus rapidement que les recettes depuis maintenant 2 ans, nous sommes par conséquent face à un déficit structurel établi sur lequel il a lieu d'agir. Agir en engageant un réel plan d'économie et en dynamisant les recettes. Que pouvez-vous nous dire sur ce point-là afin de nous rassurer dans l'attente des actes? Quelles pistes d'amélioration avez-vous envisagées? Nous en saurons peut-être un peu plus lors de la présentation du budget primitif 2023. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lala, pour cette intervention. Donc, Françoise Doisy va vous répondre sur les interrogations que vous avez soulevées. Alors, déjà, qu'est-ce que vous appelez un déficit structurel? Alors, déficit structurel, c'est comme je l'ai expliqué, c'est quand vous avez, sans faire trop de technique, vous avez en fait une évolution des dépenses qui est plus rapide que l'évolution des recettes. Voilà. Donc ça crée nécessairement un déficit structurel. C'est ce que j'ai illustré, notamment par les chiffres en pourcentage. Pour moi, c'est absolument pas le cas, puisque bon, ce que j'ai bien dit en termes de dépenses, c'est qu'il y avait quand même le fameux contentieux Solgest qui a plombé donc, le chapitre 11, il faut le dire, hein, de 70 000 euros, et c'est exceptionnel. On l'a eu cette année, on l'a eu en 2022, on ne l'aura plus. Il y a la hausse du coût des fluides, donc là, on peut espérer que ça va se rétablir et ça va rester à un niveau, même si on a prévu une hausse en 2023, on a quand même eu 125 000 euros au chapitre 11, sur les fluides. Les charges du personnel, on a eu cette fameuse assurance hein, qui augmente aussi de façon inconsidérée, même si on a réussi à la stopper. Et le résultat global, enfin, c'est ce que j'ai dit quand même, on a un résultat qui est positif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de communes qui nous l'ont viré. Hein, parce que si vous regardez un peu ce qui se passe dans les communes aux alentours, tout le monde a des soucis. Hein, c'est très compliqué. Hein. Donc nous, on a quand même un excédent de fonctionnement qui est de 1 089 233,80. Comment ça s'appelle l'exercice ? Voilà. Donc voilà pour les réponses qu'on pouvait vous apporter. Y a-t-il d'autres interventions, monsieur ? Oui, les pistes d'amélioration que demandait monsieur Lala. On le verra pour le budget. On le verra avec le budget ? Très bien. Bon, dans la présentation que vous faites, en fait, se mêlent à la fois des opérations qui sont spécifiques
à l'exercice 2022 et des opérations de report. Effectivement, quand vous nous donnez le résultat global de 1 277 000, là-dedans, on a 800 000 euros de report des exercices antérieurs. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé en 2023, et je pense que la présentation dans laquelle on regarde d'une part les charges courantes de fonctionnement, puis les charges réelles de fonctionnement, puis donc l'épargne, et l'épargne brute et l'épargne nette, je suis désolé de parler comme ça, c'est-à-dire en fait les recettes réelles de fonctionnement d'un côté, les dépenses réelles de fonctionnement de l'autre, qu'est-ce qui reste derrière entre les recettes et les dépenses, pour parler clair, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a remboursé les annuités d'emprunt, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, aujourd'hui, le tableau est à l'écran. Sur la section de fonctionnement, le solde de la section de fonctionnement que vous nous présentez est de 289 000 euros. Ici, j'ai repris les ratios financiers qui sont appliqués à toutes les communes sur la santé financière des communes. C'est-à-dire, il y a trois ratios qui sont des ratios clés. Le premier, c'est en fait justement le solde entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement. Sur la dernière mandature, on tournait autour de 580 000 euros par an. Aujourd'hui, on est à 450, grosso modo. Derrière, si on regarde le ratio qui permet de regarder ce qu'on appelle l'épargne, c'est-à-dire, sur 100 recettes ou 1000 de recettes, combien il nous reste une fois qu'on a dépensé toutes les dépenses de l'année. Sur la mandature précédente, on était globalement à 9,3%, c'est-à-dire qu'il restait 93 euros sur 1000 euros. Aujourd'hui, il reste 63 euros sur 1000. C'est-à-dire qu'en fait, on a une diminution forte de cette capacité derrière. Ce qu'on cherche derrière, c'est la rigueur de gestion. Puis quand on regarde l'épargne nette, c'est-à-dire ce qui reste quand on a remboursé ses emprunts, en fait, il nous reste aujourd'hui 113 000 euros. C'est les chiffres que vous nous avez donnés. Et en fait, c'est deux tiers de moins que ce qu'on avait avant. Donc, quelque part, là, soyons clairs, vous allez me dire, vous cherchez à polémiquer. Non, on ne cherche pas à polémiquer, on cherche à comprendre les chiffres, on cherche à alerter. En fait, derrière, c'est des questions de fond, c'est des questions de priorité, c'est des questions de risque que prend la commune. Parce que quand vous nous dites on a plein de dépenses contraintes, c'est exact. Le fait qu'il y ait une très forte augmentation sur un certain nombre de postes, c'est exact. Mais il y a d'autres dépenses qui sont des choix de la commune. Quand la commune décide de dépenser 100 000 euros avec le cabinet AME sur le centre-ville, c'est la commune qui décide, c'est personne d'autre. Quand la commune décide de mettre 40 000 euros sur Escale en Seine, c'est 40 000 euros. Si je fais déjà le total des deux, ça fait plus que l'incidence que vous nous avez dit sur l'énergie. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Il y a plein d'autres choses. Le budget fête, c'est 30 000 euros l'an dernier. C'était 6 500 euros en 2019. Est-ce qu'il n'y a pas là des économies à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut aller regarder et puis, justement, choisir et faire des choix? Enfin, je pense que, bien sûr, on est dans une situation difficile, c'est complètement clair. Mais d'un autre côté, il y a des dépenses qu'on a choisi de faire, que vous avez choisi de faire, d'accord? Donc ça, ça rentre pas dans les dépenses contraintes, soyons très clairs. De la même manière, quand vous nous dites, oui, on a le plus gros budget dans les dépenses courantes, dans les charges courantes, le plus gros budget, c'est toutes les charges qui sont liées à des prestations de services. Dans ces prestations de services, c'est grosso modo plus du tiers de ce budget, d'accord, des charges courantes.
Donc, dans ces prestations, il y en a qui sont obligatoires. C'est la haie, c'est etc., un certain nombre de prestations de services. Et puis, il y en a d'autres sur, qu'il faudrait peut-être regarder de beaucoup plus près. Par exemple, l'an dernier, toutes les dépenses concernant le PSIJ sont passées en prestations de services. Ça fait grosso modo 30 000 euros de dépenses qui sont passées en prestations de services. Donc, derrière... Hein, donc, derrière, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une discussion de fond autour d'une situation qui devient critique. C'est-à-dire qu'on a une baisse d'un certain nombre d'indicateurs de santé financière de la commune. Est-ce que toutes les communes sont dans ce cas? Pas forcément. Mais derrière, ça veut probablement dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur un certain nombre de dépenses, et en particulier celles qu'on peut éviter. Voilà, c'est le seul point que je voulais souligner sur cette affaire. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Alors, Françoise va peut-être répondre sur quelques aspects techniques. Et après, qui a... Alors, Sébastien Massa a demandé la parole, et Michel Gour également. Alors, peut-être Françoise va apporter quelques chiffres. Non, alors je ne peux pas vous laisser dire c'est une situation critique, c'est absolument pas le cas. C'est une situation qui évolue en fonction du pic des investissements. Vous allez voir après le niveau des investissements aussi qui est prévu en 2023. Donc ça c'est clair. Après vous comparez avec les années précédentes, il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux années Covid, donc plus cette une année avec une guerre en Ukraine, avec une inflation galopante, avec des prix qui augmentent. Donc tout ça, ce sont des éléments de comparaison qui faussent complètement votre analyse. Et donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la situation est, puisque bon, les retours que l'on a, parce qu'on est quand même sous contrôle, on a la DGFiP, on a la préfecture, qui nous font des analyses et qui estiment qu'on a une situation qui est tout à fait correcte. Parce que je pense qu'il y a d'autres communes, c'est absolument pas le cas. Merci beaucoup, Françoise. Alors, Sébastien et après Michel. Moi, je voulais dire simplement, vous flattez la mandature précédente, elle était sensationnelle. Effectivement, quand on ne fait pas de travaux, on n'investit pas, on ne prend pas de risques, on va faire des économies. Nous, on préfère des choix. C'est de faire avancer la commune. Et on n'hésite pas donc à investir. Et effectivement, il y a un petit décalage hein, et qui sera rattrapé, vous en faites pas. La balance reviendra au milieu à la fin de notre mandature hein, et nous verrons après le résultat. Bon, donc vous êtes en train de dire que ensuite nous avons beaucoup dépensé sur les prestations de services, mais c'est normal. Il faut qu'on s'entoure de conseils et à tous les niveaux. Vous dites qu'il y a 40 000 euros de pour escale en Seine, mais il faut animer la ville d'Escalquens. Dans l'ancienne mandature, c'était le silence, c'était, il n'y avait rien, c'était triste. Eh bien nous, vous voyez, on essaie d'animer tout ça. Donc effectivement, il y a des frais, mais vous en faites pas, nous savons équilibrer le budget. Et l'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup Sébastien. Alors Michel. Bonsoir, merci monsieur le maire. Bon, moi je vais redire quand même... Merci au service. Quand on a une feuille de route, où on doit faire des économies, on a une augmentation de tous les fluides en plein milieu d'année, on prend des mesures et on arrive à tenir le budget par rapport à ce qu'il était calé, c'est exceptionnel. Alors on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, on dit qu'on ne polémique pas, mais enfin, je trouve quand même que la qualité qui a été faite, alors en adjointe, finances, mais également les services, pour moi, est exceptionnel. Après, les Islatinois jugeront, mais enfin, les chiffres sont là, et on aurait pu avoir peut-être une Bérésina, mais on a pris les bonnes décisions. Ça, c'est le premier point. Après, vous revenez toujours sur la mandature passée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Revenir sur le passé, c'est comparer, on ne compare pas des choses comparables. Il y avait des ambitions peut-être différentes, mieux que les nôtres et autres. Aujourd'hui, c'est un constat que je veux faire aujourd'hui, en disant que quand même, en début de mandature, on nous a dit, vous êtes des incapables, vous êtes une équipe jeune, vous n'allez pas vous en sortir. On a tout entendu.
Donc, au bout de 3 ans, on tient un budget, on arrive à financer un gymnase, qu'on nous a laissé quand même, enfin, on arrive à le financer, on fait des opérations, on a mené au bout, bon, on n'est pas tout à fait au bout, mais enfin, le centre-ville, on a mené également une concertation citoyenne, 100 000 euros, je vous l'accorde, mais on l'a fait. Derrière, il y a tout un projet d'OAP. Il y a des réponses sur tous les cas de figure. Une projection sur 2030. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais enfin, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut avancer. Et aujourd'hui, je pense que vous devriez dire plutôt chapeau, parce que pour tenir les engagements et la feuille de route qu'a eu les services au départ, je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de peine à la tenir, mais on l'a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. D'autres interventions? Oui, Madame Aguilbosque. Merci, Monsieur le maire. Moi, je partage les inquiétudes vis-à-vis de la maîtrise des dépenses. Et je vais prendre qu'un seul exemple, puisque ça a été bien détaillé, donc je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas alourdir le débat inutilement. Par exemple, par rapport à l'augmentation des fluides. C'est une préoccupation, et toute entreprise ou toute collectivité fait face à ça aujourd'hui. Mais voyez-vous, en commission finance, moi, j'ai posé la question de l'impact des mesures qui avaient été prises, à savoir la régulation du chauffage, etc. Et on n'a pas eu de réponse à ce moment-là. Donc, moi, alors, ce n'est qu'une illustration, évidemment, mais moi, je veux bien que les fluides augmentent, etc. Mais, par exemple, dans l'entreprise où je suis, moi, on est capable d'estimer, de dire, voilà, les mesures qu'on a mises en œuvre, elles ont permis de réduire de temps la consommation. Certes, ça ne compense pas les augmentations de fluides, etc., mais au moins, on avait ces éléments-là. Et là, on ne les a jamais, ces éléments-là. Et vous... Alors que vous aviez basé tout votre engagement municipal sur la maîtrise des dépenses, en particulier sur celle à caractère général, ben vous n'en faites pas la démonstration aujourd'hui. Très bien. D'autres interventions? Oui, alors il y avait M. Payard ou M. Delmas en premier, peut-être, avait demandé la parole. Non, je voulais juste appuyer ce que vient de dire Sandrine Aguilbosque et rappeler qu'on avait demandé, lorsqu'on a fait la réunion exceptionnelle à laquelle vous avez référence, d'avoir une estimation de ce que vous espériez sauver comme budget. Et on a eu comme réponse à l'époque que ce n'était pas estimable ni mesurable. Et finalement, c'est ni estimé ni mesuré à la fin non plus. Donc, ça clôt le chapitre. Donc, c'est quand même un problème d'avoir des mesures qui sont prises et qui ne sont jamais chiffrées ni à l'avance, ni ensuite pour savoir où est-ce qu'on habite. Donc, c'est en termes d'efficacité... Je rejoins complètement ce qui est dit là. Je pense qu'il n'est pas très difficile de donner une projection et d'estimer à la suite de l'exercice ce qu'on a atteint. Et ça, ce n'est pas fait. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Voilà. Alors, sur ce point, Françoise, une réponse ou... Oui, non, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous donner les chiffres, c'est tout simplement parce qu'on ne les a pas. Il va falloir attendre que toutes les factures arrivent. Donc je pense qu'il faut compter une petite année, peut-être un peu moins, pour vous donner des chiffres réalistes. Sinon, on va vous donner une estimation et vous allez nous dire que ça rime à rien, ce qui est assez logique. Donc c'est juste, il faut attendre d'avoir une réalisation qui soit claire. Et on fera probablement une réunion, une commission là-dessus. On pourra vous parler de ce que ça donnait en termes d'économie. Merci beaucoup, Françoise. Alors, Madame McCook. Oui, je ne parlerai pas d'éléments financiers, mais en fait, en termes de gestion, il est quand même facile de relever des compteurs et de savoir si on a gagné ou pas quelques kilowatts pour savoir où on en est. C'est un indicateur de pilotage. Voilà, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'éléments de cette nature qui soient mis en place. Alors, donc, Michel Gouret. Au niveau des relevés de compteurs, c'est comme chez vous. C'est une consommation annuelle. Donc, dès qu'on aura les relevés de compteurs, alors pourquoi ? Ben, on pourra faire un bilan annuel sur la consommation, faire une projection. D'abord, on ne vous a jamais dit qu'on vous le fournirait pas, premièrement. Ça, c'est vous qui le dites, mais on l'a. Nous, ça nous intéresse énormément. Est-ce que vous pensez qu'on doit bâtir des nouveaux budgets ? Bien sûr qu'on recherche de l'économie. Bien sûr que ces facteurs, on les a besoin. C'est obligatoire. Donc, d'abord, et je répète, pourquoi vous dites qu'on ne les fournira pas? Moi, je suis prêt
technique, finance, et l'ensemble de mes collègues également, partager avec vous, mais partager sur une base d'abord de chiffres réels. On voit bien que, excusez-moi, quand on vous présente des chiffres, il faut qu'on se justifie à la virgule au dixième. Donc, aujourd'hui, laissez-nous au moins le temps de vous présenter des choses que vous ne convenons pas, mais juste et fiable pour nous. Très bien. Alors, une dernière intervention, Monsieur Bayard. Non, c'était juste pour réagir aux premières interventions de Monsieur Massagne, Monsieur Gouret. Je n'ai abordé que la question de le budget de fonctionnement. Je n'ai absolument pas abordé le budget d'investissement. Il est clair qu'il y a un très gros, effort d'investissement. Je vous rappellerai quand même que c'est ce qui a été. Vous êtes en train de finir le cycle d'investissement qui avait été engagé. Donc, on finit un cycle d'investissement, on s'apprête à en ouvrir un nouveau. Quand je parle du fonctionnement, je parle de dépenses courantes de gestion et de recettes courantes de gestion. Je ne parle pas d'investissement. L'investissement, c'est des transferts ensuite qu'on va faire, c'est des emprunts qu'on fait ou qu'on ne fait pas, c'est des cessions d'immobilisation et c'est autre chose. Je n'ai abordé que la question du fonctionnement et je pense qu'il faut bien dissocier ces deux niveaux. Parce qu'effectivement, si on a une section de fonctionnement qui se met à déraper, à ce moment-là, ça va avoir des incidences sur les capacités d'investissement. Mais déjà, bordons les choses au niveau fonctionnement. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sur ce point, Françoise, une dernière réponse. Oui, non, tout ce que je peux dire, c'est que les dépenses de fonctionnement sont parfaitement bien tenues. Nous avons une exception, enfin une exception, si on peut appeler ça comme ça, avec le Solgest. Nous avons des l'impact toujours de la hausse des prix et pour le reste, je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait dire que nos dépenses ne sont pas tenues. On ne dérape pas, elles sont surveillées, on va dire, mois par mois, on sait parfaitement où on va. Très bien. Alors, je vous propose peut-être de mettre au vote. Donc, chacun s'est exprimé sur ce projet de budget. Donc, moi, je vais vous laisser parce que la loi m'interdit de participer au vote. En revanche, elle m'interdit pas de synthétiser les débats. Donc, nous avons montré un exercice 2022 avec ses difficultés liées au contexte que vous connaissez, un niveau d'investissement élevé, une absence d'augmentation des impôts de notre part. Donc, l'opposition s'est montrée inquiète sur un certain nombre d'éléments et sur l'évolution des dépenses de fonctionnement et de l'équilibre global. Et inquiétude que nous partageons en partie, qui nous incite bien sûr à faire des efforts continuels, mais enfin qui ne conduisent pas à faire le constat catastrophique qui est décrit. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser le temps que vous délibériez sur ce compte administratif. Et c'est Françoise Loisy qui va présider le vote. Bien, donc le maire étant sorti, je vais soumettre à votre approbation le compte administratif. Donc qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. D'accord. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Et donc le compte administratif est adopté. Et je vous remercie. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à la délibération numéro 3, si je ne me trompe pas. Donc, qui concerne l'affectation du résultat excédentaire de 2022. Donc, Françoise Loisy va présenter cette délibération. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est cette planche-ci. Donc là, l'excédent de fonctionnement 2022 qui est affecté au budget 2023 s'élève à 1 089 233,80.
Donc il est prévu, nous avons choisi d'affecter cet excédent en investissement pour 289 233,80 et le reste, les 800 000 euros en fonctionnement. Merci beaucoup Françoise. Donc y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération d'affectation des résultats? Donc s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Donc 3 contre, c'est ça? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions et donc adopté à la majorité, moins 3 contre et 5 abstentions. Merci beaucoup. Alors, délibération suivante concerne le vote des taux. Et donc, Françoise Doisy va présenter la délibération. On va sauter la planche suivante parce que, bon, voilà, on va arriver directement à celle-ci. Alors, que vous dire sur le vote des taux? C'est que depuis, donc je vais peut-être rappeler, même si je le dis un peu à chaque fois, depuis la réforme fiscale de 2020, la taxe d'habitation sur la résidence principale n'est plus perçue par les communes et en compensation, la taxe foncière bâtie du département, qui était de 21,9%, est transférée à la commune et vient s'ajouter au 27,32% du taux communal. Donc, c'est les 49,22% que vous voyez sur la première ligne. En revanche, il y a une nouveauté, puisqu'à compter de 2023, les communes doivent à nouveau voter les taux d'imposition de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. En 2021 et 2022, c'était les taux 2019 qui étaient appliqués. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que pour la troisième année consécutive, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale directe. Merci beaucoup, Françoise. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. Donc, je vous propose de... Ah, pardon, Madame Hilbert. Ce n'est pas une question, c'est une remarque quand même globalement sur la fiscalité directe. Effectivement, vous n'augmentez pas les taux, hein, conformément à votre engagement, puisque c'était un engagement de campagne. Par contre, on est d'accord que la fiscalité, du fait du recalcul des bases, etc., augmente malgré tout. Oui. Voilà, c'était juste cette précision-là que je voulais. Oui, vous avez raison de souligner ce point, Madame Agudbos. Je rappelle la mécanique fiscale, effectivement, qui se compose de deux éléments. D'abord, la base imposable, qui est en fait la valeur du bien sur laquelle va peser l'imposition, hein, qui est votée sous forme de taux. La valeur du bien qui constitue la base fiscale évolue comme l'inflation. Et ça, c'est l'État qui le décide en vertu de l'application de la loi. Et ensuite, il y a les taux d'imposition qui sont décidés par la commune et notamment par le conseil municipal au niveau municipal et par le conseil communautaire au niveau du SICOVAL. Alors, c'est vrai que le contribuable escalquinois, et c'est ce qui peut être très compliqué, Madame Agudbos, vous avez raison de le souligner, lui, il voit une feuille d'impôt et il voit parfois les impôts qui augmentent. Mais qui augmente soit par décision de l'État, soit par décision du SICOVAL. Mais notre politique à nous, c'est d'être constant et de ne pas en rajouter en votant une augmentation des taux d'imposition, puisque là, nous avons la main. Et c'est une politique, je rappelle, parce que pour les habitants d'Escalquins, que nous maintenons au SICOVAL également. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le groupe majoritaire. Hein, parce qu'on considère que, alors c'est une ligne politique, hein, on peut la critiquer bien sûr, que la revalorisation des bases décidées par la loi, finalement, doit suffire au financement des collectivités locales sans avoir besoin d'en rajouter encore. Hein. Voilà. Alors, oui, Madame Acouc, une dernière intervention. Oui, juste une intervention. Parler du SICOVAL, mais vous savez très bien que le SICOVAL a augmenté pour un projet bien précis. Or, une augmentation des taux de fiscalité peut aussi se justifier pour des projets précis. Tout dépend du service qu'on offre aux concitoyens. Donc, effectivement, en cas de besoin, voilà, on peut aussi se permettre d'augmenter les taux pour financer des projets qui bénéficieront au plus grand nombre. Parce que souvent, les services publics, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Alors, Monsieur Sébastien Massa. Oui, mais vous devriez nous dire, vous devriez nous féliciter, madame. Nous, on n'augmente pas, vous voyez, les impôts. Par contre, vous,
vous votez de suite les impôts, l'augmentation des impôts aussi qu'au Val, en avançant des propos un peu, je ne sais pas, tendancieux un peu, là, en disant que c'est pour maintenir le service public. Mais nous, on maintient le service public également et on n'augmente pas les impôts, chère madame. Alors, on ne trouvait pas des prétextes un peu étranges. Excusez-moi, monsieur le maire. On peut éviter les chères madame, tout ça. Enfin, madame Acou n'est pas aussi Coval. Donc, l'accuser de voter ou pas voter, enfin, ça, c'est déplacé. Moi, je suis OK qu'on ait un débat sur les propos qu'on exprime et tout. Ça, c'est tout à fait normal. On peut se faire tacler sur des positions que l'on prend, mais pas sur des choses qu'on ne fait pas. Enfin, au bout d'un moment, puis le cher madame, ça va. Enfin, écoutez, madame Agudbosque, chacun a une liberté de parole, donc vous jugez aussi. Donc, je vois pas en quoi c'est pas un propos calomnieux. Enfin, je vois pas. Très bien. En tout cas, très bien. Je crois qu'on a eu un débat. Chacun a pu s'exprimer sur cette question des taux. Bon, voilà. Nous, on a un choix politique, hein, encore une fois, qu'on peut discuter. On a toujours une bonne prétexte pour augmenter les impôts. En tout cas, nous, on maintient cette ligne politique. Je note que c'est pas le cas de l'opposition. Donc, je vous propose maintenant de mettre au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Alors, 8 abstentions. Donc, adopté à l'unanimité, moins les abstentions de l'opposition. Merci beaucoup. Délibération suivante concerne les APCP de l'opération de rénovation de l'espace Jean Cassan. Françoise Doisy. Oui, donc, puisque nous avons lancé une rénovation énergétique pour ce qui s'appelle maintenant l'espace Jean Cassan, qui est l'ancien gymnase et la salle des fêtes, donc il vous est proposé d'avoir recours à ce dispositif afin de faire supporter sur le budget annuel le seul coût des dépenses relatives à l'exercice en cours. Donc, ces autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement de cette opération. Donc, il est précisé qu'afin de respecter une prévision budgétaire sincère et prudente, notamment au regard du contexte, il sera proposé au vote un montant d'autorisation de programme tenant compte d'éventuelles dépenses exceptionnelles. Donc, pour l'année 2023, il est prévu 500 000 euros, que vous verrez tout à l'heure au budget. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions, des commentaires sur cette délibération? Alors, il y a Monsieur Lala et Monsieur Lala. Merci, monsieur le maire. Donc, nous en avons déjà parlé, hein, mais je regrette le choix qui est le vôtre de proposer un plan pluriannuel d'investissement avec comme projet prioritaire la rénovation de l'ensemble Jean Cassan, salle des fêtes et gymnase, pour un montant élevé de près de 4 millions d'euros, tout de même, dont la capacité ne sera plus adapté à l'accueil des 10 000 habitants attendus à l'horizon 2030. Pourtant, l'heure est à la réflexion sur le projet de centralité. Dans ce cadre, je pense que cet investissement proposé, notamment pour le budget dont on va discuter, aurait mérité plus de discussions. Discussion pour envisager des solutions alternatives basées sur l'implantation et la construction d'un équipement neuf de type BBC, répondant aux défis climatiques et énergétiques, qui pourraient être suivis de la destruction des bâtiments existants qui ne sont plus adaptés, ces derniers datant, il me semble, des années 1970. La rénovation énergétique des bâtiments publics doit effectivement être une préoccupation, mais elle doit avant tout constituer une solution pour réduire les factures d'énergie. Mais surtout, elle doit répondre aux besoins des nouvelles populations, tout en favorisant les initiatives et l'innovation dans l'accueil d'événements festifs, culturels ou sportifs. Je termine en illustrant mon propos. Dès qu'il est organisé un événement populaire prisé, la salle des fêtes ne permet pas d'accueillir tous les participants. Un exemple récent, vendredi dernier. Le loto. Voilà, le comité des fêtes a organisé avec succès, d'ailleurs un loto, dans la salle des fêtes. Mon fils, accompagné de plusieurs copains et copines, avaient prévu d'y participer. Devant une queue interminable, ils ont dû rapidement
de rebrousser chemin car la salle des fêtes ne pouvait pas accueillir tous les participants. Ce qui est regrettable, c'est qu'à l'origine, ils étaient partis dans l'idée de passer une bonne soirée. Voilà. Monsieur le maire, je me permets de vous transmettre le message de leur part. Merci. Merci, monsieur Lalla. Alors, vous avez bien noté que je n'étais pas président du comité des fêtes. J'en ai déjà assez avec mon mandat de maire. Ceci dit, sur ce sujet, mais je pense que ça ne fait qu'illustrer justement la nécessité qu'on a de rénover cet espace. Alors après, il se trouve que, alors je ne vais pas faire de commentaires sur le loto auquel j'étais d'ailleurs, mais enfin, oui, la capacité de la salle des fêtes est aujourd'hui limitée et le gymnase était occupé par un entraînement du handball. Alors, il me semble que le comité des fêtes n'avait pas prévu un tel succès, et tant mieux qu'il y en ait eu. L'expérience à en tirer, je pense que la prochaine fois, il faudra organiser le loto sans doute dans le gymnase. Mais bon, sous toute réserve quant à son utilisation, hein, je suis pas partie des organisateurs. En tout cas, moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est que aujourd'hui, cet espace a vieilli. C'est vrai qu'il a beaucoup d'utilité, mais il a du mal à répondre à nos besoins parce qu'il faut le rénover. Et le propre du budget de la commune et des élus, c'est d'anticiper les besoins de rénovation pour maintenir les équipements à niveau. Donc nous allons le faire, c'est notre choix. Nous pensons, au contraire de votre analyse, mais que je respecte, hein, que c'est nécessaire, que c'est un besoin pour la commune et qu'il est nécessaire de le rénover. Donc c'est un projet que nous souhaitons démarrer le plus rapidement possible. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer au vote, puisque tout... Ah, monsieur Massa, allez, une dernière intervention. Juste, vous voulez détruire, raser le gymnase et la salle des fêtes, mais est-ce que vous avez chiffré donc on pète tout et on reconstruit, ça coûte combien à peu près, puisque c'est facile d'annoncer des choses comme ça, mais est-ce que vous avez une estimation? Oui, 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Voilà. Non. Ça, c'est... Le prix de la rénovation, monsieur Massa. Bon, allez, j'arrête là. Merci, vous êtes gentil. 4 millions d'euros, ok, d'accord. Alors, il y avait monsieur Bayard et après Michel Gouret. Merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur ce projet. Effectivement, l'inquiétude, elle porte sur la capacité de ce projet à répondre aux besoins de la population. Cette salle des fêtes, elle a été conçue pour un village de 3500 habitants. Nous serons bientôt 10 000. À l'évidence, elle sera toujours trop petite. Elle sera toujours trop petite. Pardon ? Je peux continuer ? Alors, en fait, se posent plusieurs questions. Quelles sont, déjà, est-ce que oui ou non, cette opération est judicieuse ou pas par rapport au bâtiment lui-même. Après, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que c'est le bon timing? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas dans l'ordre des priorités de ce qu'il faut préparer pour l'arrivée des nouvelles populations et, je le redis, je crois qu'on l'a déjà dit, une population qui atteindra bientôt, parce que je veux dire 2030 ou 2035, c'est demain, qui atteindra bientôt 10 000 habitants, ben, quelles sont les priorités? Est-ce que les priorités, ce n'est pas du côté de l'école? Est-ce que les priorités, ce n'est pas du côté des espaces de restauration? Est-ce que les priorités, ce n'est pas du côté de l'accueil des services municipaux? Parce qu'il faudra plus de monde dans les services municipaux, et on voit déjà qu'il faut pousser les murs pour mettre les agents. Est-ce que ces questions-là mériteraient pas d'être posées? Je ne dis pas il faut faire ou pas faire. Est-ce que ces questions-là mériteraient pas d'être posées avant de se lancer dans une opération compte tenu de la situation financière de la commune? Je veux dire, quand on avait abordé l'an dernier la question de la rénovation énergétique de ce bâtiment, souvenez-vous de la discussion qu'on a eue. Il s'agissait de rénovation énergétique et on s'est aperçu qu'on s'apprêtait à dépenser 880 000 euros pour économiser 10 000 euros d'énergie par an.
et un retour sur investissement qui est catastrophique. Aujourd'hui, on n'en est plus à 880 000 euros. Alors, on est passé après à 2,2 millions. Aujourd'hui, on est à 3,7 millions. Est-ce que c'est réellement sérieux de travailler sur des choses comme ça? C'est une vraie question par rapport aux priorités de la commune. On sait tous, et ça, alors vous disiez, Monsieur Massa disait tout à l'heure, vous encensez les précédents. Non, on n'encense pas les précédents. On travaille sur des séries longues pour se poser la question de, mais en fait, qu'est-ce qui évolue? D'accord? Effectivement, cette commune, quand vous êtes arrivé, vous avez bien dit, vous avez appelé ça un déficit structurel. On est tous d'accord pour dire qu'on a un taux d'épargne qui est faible, qui est beaucoup trop faible par rapport aux communes de même nature. Ça veut dire qu'on a très peu de capacité à investir. On le sait et ça a toujours été le cas. À partir de ce moment-là, il faut absolument prioriser sur, justement, des investissements, mais prioritaires par rapport aux besoins de la population. Quand on avait discuté l'an dernier de ce projet, déjà, je me souviens que M. Gouré nous avait dit « Ouais, mais si on fait rien, vous allez nous reprocher de rien faire ». Moi, je peux vous dire honnêtement et clairement aujourd'hui, si vous décidez de remettre en chantier le choix de cet investissement pour travailler ensemble sur les priorités d'investissement public au centre-ville, on vous soutiendra et on sera à vos côtés pour chercher des solutions les plus adaptées aux besoins de notre commune dans les années qui viennent. C'est ça que je voudrais vous dire. Je ne voudrais pas prononcer des grands mots, mais je pense que cette opération aujourd'hui, surtout avec les taux de subvention que vous nous annoncez, je veux dire 80% de subventions aujourd'hui sur cette opération, c'est impossible. On ne les aura jamais. On ne les aura jamais. Donc, je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'accrocher à ce truc-là? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire une pause et se dire qu'est-ce qui est prioritaire, mais réellement prioritaire pour cette commune aujourd'hui? Et aujourd'hui, ben, sur quoi il faut mettre nos billes, parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est bon. Voilà. Je vous remercie. Alors, peut-être on n'est pas à 80% de taux de subvention. Je pense qu'on n'a pas les mêmes tableaux, monsieur. Alors, il y avait Sébastien et ensuite Michel. Sébastien. Il attrape la balle au bon, monsieur Paillard. Vous parlez de l'accueil des services municipaux. Mais justement, on anticipe. Regardez au PSIG, on a mis le poste de police. Depuis des années, c'était dans des locaux vétustes, inadaptés à la sécurité, à l'hygiène des fonctionnaires. Mais qu'est-ce que vous nous avez de suite attaqué, critiqué. Mais qu'est-ce que vous allez mettre la police ici, dans ces locaux et tout? On anticipe, justement, pour 2030, les locaux sont très grands. Nous pourrons donc accueillir des renforts d'agents de police municipaux. Voilà. Donc, mais le problème avec vous, c'est d'attaquer tout azimut. Chaque fois que nous faisons quelque chose, vous nous critiquez. Donc, mais c'est normal, c'est votre rôle. Eh bien, nous, on avance et on essaie d'anticiper et pour l'avenir. Merci, M. Paillard. Merci, Sébastien. Alors, Michel. Donc, sur l'espace Jean Cassan. La dernière fois, je n'avais pas rebondi, parce que je pensais que ça pouvait être naturel de se dire, alors vous nous dites qu'il faut attendre, il faut projeter autre chose, sur combien? 5, 6 ans. Donc, ça veut dire que cet espace Cassan, qui est déjà vieux de 75, qui a coûté déjà énormément à l'ancienne nature, qui nous coûte à nous, on va continuer encore à dépenser et à mettre de l'énergie aux petits oiseaux. Donc, vous êtes fervent de l'écologie, moi aussi, mais là, quand même, je me questionne et je dois dire, je ne comprends plus. Mais bon, donc l'articulation, je vous réponds, si c'est au départ pour savoir est-ce qu'il faut articuler, il ne faut pas articuler, on vous répond et je vous réponds, il faut faire cette articulation à cause de ça, les subventions, et également, pourquoi on ne peut pas se passer de cet espace? C'est impossible. On ne peut pas raser, faire quelque chose. C'est impossible. Dans l'état actuel de
cet équipement, vous avez raison, il sert à toutes les manifestations et autres. Donc aujourd'hui, il a été bâti, il sert. Aujourd'hui, je pense que également, il faut rénover les bâtiments. Vous nous dites, on n'a pas consulté, vous nous aviez posé des questions. On a eu, monsieur le maire vous l'a dit, l'architecte, bien sûr, le coût est élevé, mais il nous a dit, il vaut mieux que vous rénoviez plutôt que de reconstruire. On écoute des hommes de l'art, des cabinets. Ce n'est pas monsieur Paillard, ce n'est pas Michel Bourré qui dit, il faut couper, casser, j'en sais rien, moi. Moi, je sais aujourd'hui que on s'est renseigné. Vous nous avez dit, vous allez faire une erreur au niveau de la charpente et autres. L'homme de l'art a dit, oui, effectivement, mais aujourd'hui, si on veut décarboner, il faut mettre des panneaux solaires. Enfin, c'est la discussion d'aujourd'hui. Donc, je ne comprends plus. Donc, je vous réponds factuellement, oui, dans le planning, on est obligé de le faire comme ça. Oui, il faut le rénover. Et oui, je pense qu'il faut être dans cet élan et continuer et pas attendre encore 10 ans de se poser des questions, de savoir, oui, il faudra un autre espace. Oui, il est dans notre projet, mais à une échelle beaucoup plus tard. Merci Michel. Alors, il y avait Monsieur Delmas et Monsieur Paillard. Oui, moi ce que je voudrais répondre, c'est qu'on veuille améliorer la qualité d'un bâtiment pour accueillir les gens, c'est un choix. Effectivement, moi j'ai joué dans ce gymnase, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, quand vous dites quand vous venez sur le terrain de l'écologie, je suis plus gêné. Il faut que vous dites qu'est-ce que coûte ce gymnase à la commune. Ce gymnase coûte en dépenses d'énergie, de mémoire, 10 000 euros par an. Et on va faire des investissements conséquent de plusieurs centaines de milliers d'euros pour cela, d'accord? Oui, mais sur la part gymnase, investissement thermique, de mémoire, c'était 800 000, mais comme je ne suis pas sûr de mon chiffre, je le sors pas. C'est-à-dire qu'en termes de retour sur investissement, on fait quelque chose qui est, de mon point de vue, absolument pas la priorité. Donc l'écologie, ce n'est pas de rénover parce qu'il faut rénover, c'est de faire des choix de priorité. Et aujourd'hui, notre point de vue, et vous n'en êtes pas d'accord, mais notre point de vue, c'est qu'on ne se porte pas sur les bons choix de priorité de ce point de vue-là, et qu'il vaudrait mieux aujourd'hui, effectivement, continuer à assumer un coût de 10 000 euros de dépenses énergétiques sur ce gymnase et donner la priorité à d'autres projets. Donc, arrêtez de nous renvoyer cette image de dire « vous ne voulez pas rénover », ce n'est pas la question qu'on ne veut pas rénover, c'est qu'on dit simplement « on ne partage pas le choix de priorité que vous faites ». Vous pouvez entendre ça et l'accepter, sans toujours nous dire que on est contre l'écologie. Ça me semble être une attaque, franchement, pas adaptée. Voilà. Donc je... attends, il y avait peut-être M. Paillard qui voulait intervenir. Moi, je voulais revenir juste sur la question des subventions. Parce que si je regarde bien le tableau que vous nous avez donné, on note subvention État 2024, 300 000 euros, 2025, 1 million d'euros. Région 2024, 200 000 euros. 2025, 600 000 euros, ça fait un total de 2 100 000 euros. Donc on est bien sur quelque chose qui est extrêmement élevé et qu'on n'obtiendra probablement jamais. Alors, juste là-dessus, vous savez comme moi que les dossiers de subvention doivent être... on doit déposer un dossier de subvention à l'appui d'une demande. Donc, l'exercice consiste à toujours demander le plus possible pour avoir le plus possible, sachant qu'effectivement, 80%, je suis d'accord avec vous, on ne les obtiendra pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit s'empêcher de les demander pour pouvoir mieux négocier. Enfin, ça, c'est un peu la mécanique. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme ça qu'on fait. Alors, Michel Gouret souhaitait répondre, je crois, peut-être. Oui, juste sur le fait de rénover ou pas rénover. Le débat est, pour moi, il n'est pas là-dessus parce que la dernière fois, vous aviez dit une fois, bon, il faut raser le bâtiment. La fois d'après, on n'a pas dit ça, il faut le rénover. Je ne sais pas si c'est, je ne vous renvoie pas à dire qu'il faut rénover ou pas rénover. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans l'articulation de ce projet, de part la consultation des architectes, de par l'argumentaire qu'on essaie de vous exposer et de mettre en avant, on doit se rendre compte que cette articulation tient la route. Voilà ce que je veux. Après, bien sûr,
on aurait des excédents, allez, de 20 millions d'euros, on ne se poserait pas les mêmes questions. Mais aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc, articuler tous les projets qu'on a à faire, je pense que c'est le bon tempo, c'est la bonne articulation. Voilà. Merci Michel. Bon, je crois qu'on s'est exprimé tout sur ce sujet. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce n'est pas qu'une question de rénovation énergétique. Vous l'avez compris derrière, comme on l'avait déjà exposé précédemment. Il y a une question de mise aux normes électriques, une mise aux normes de l'accession des personnes à mobilité réduite. Il y a une question de mise aux normes de la jauge de compétition régionale pour le handball. Je veux dire, il y a les gouttières qui sont, parce que le toit est percé. Ben voilà, il y a pas que la rénovation énergétique. Hein. Quant aux 10 000 euros, oui, c'est avec, ceci dit, avec 40 degrés l'été, dans le bâtiment aussi. Donc, mais enfin, voilà. Bon, ceci dit, je note quand même dans ce que vous avez dit, la volonté d'y travailler ensemble. Moi, on y est tout à fait favorable. Surtout sur la priorisation des investissements et des grands projets de la commune. Ce que je vous propose, c'est que très prochainement, on va avoir une commission élargie, enfin une réunion des conseillers municipaux sur le PADD. Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est le projet de développement de la commune, un projet, donc un document stratégique qui dresse un peu les grands objectifs de développement de la commune sur 10 à 15 ans. Je crois qu'à cette occasion-là, on pourra très utilement débattre de toutes ces questions de priorité de nos équipements sur la commune. Et à ce moment-là, je crois qu'on aura des échanges fort intéressants sur le sujet. Je vous propose peut-être de passer au vote. Je crois que tout le monde s'est exprimé maintenant. Qui est contre? Oui, bon, on s'est exprimé, on va conclure, on va y passer la nuit. Donc, je propose de passer au vote. Hein. Je rappelle que quand on vote, on n'intervient plus. Alors, qui est contre? Alors, voilà, c'est donc 8 contre. Qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité, moins 8 votes contre de l'opposition. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer au budget primitif pour 2023 et c'est Françoise Doisy, donc adjointe aux finances et au RH, qui va présenter ce budget. Alors, en introduction, je vais vous signaler, je ne sais pas si vous l'avez vu, que nous vous avons envoyé une nouvelle version du budget, puisqu'il y a une anomalie qui a été détectée dans les inscriptions budgétaires des cessions d'actifs. C'est une anomalie technique du logiciel Berger-Levrault qui est connue, qui nous a été signalée par la trésorerie, bien qu'il n'y ait pas eu de message d'alerte détecté lors de la saisie. Donc, qu'est-ce que ça implique? En ce qui concerne le budget prévisionnel, ça veut dire que la recette sur les cessions de biens immobiliers doit être inscrite en section d'investissement et non de fonctionnement. En revanche, en termes d'exécution pour le compte administratif, on va retomber sur ces écritures réelles que vous avez eu, c'est une anomalie qui n'impacte pas les écritures comptables en exécution. Donc concrètement, qu'est-ce que ça implique budgétairement? Rien, puisque l'équilibre budgétaire ne change pas. En fonctionnement, les recettes vont diminuer de 303 500, mais le virement vers la section d'investissement va augmenter du même montant. Et en investissement, c'est l'inverse. Les recettes augmentent et le virement diminue. Donc, ce sont étant dit, on va pouvoir passer au budget. Donc, le budget 2023 a été conçu en tenant compte d'un certain nombre de contraintes d'augmentation de coûts, dont certaines sont connues et d'autres liées à l'inflation qui a vocation à se maintenir en 2023. Donc, dans ce contexte, notre budget va se décliner sur 3 actions. C'est ce qu'il y avait juste avant, mais je vais le dire rapidement. Maîtriser le fonctionnement, conserver un haut niveau d'investissement et ne pas augmenter la fiscalité communale. En ce qui concerne la maîtrise du fonctionnement, les actions qui ont été mises en place en 2022 seront reconduites en 2023, notamment le plan de sobriété énergétique, l'installation de lampes LED de plus, l'extension des éclairages publics la nuit, la régulation des températures dans les bâtiments publics. Donc on peut passer à la planche suivante et on va attaquer avec le fonctionnement. Donc vous allez voir là ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, savoir un impact sur cette planche-là.
puisque les produits exceptionnels, les 303 500, ne figureront plus. Et en revanche, de l'autre côté, le virement dans la section d'investissement va diminuer de 303 500, ce qui va rééquilibrer le budget à 8 071 668,61. Donc, ce qu'on prévoit, parce que ce sont des prévisions, pour le chapitre 11, les charges à caractère général, on prévoit une hausse des flics de 51 000 euros, une hausse du marché public de l'école de musique, mais il y aura aussi la hausse des cotisations, donc cette hausse est de 28 000 euros, et l'intervention scolaire sur une année va aussi impacter le chapitre 11, c'est 10 000 euros. Le chapitre 12, les charges de personnel, ce que l'on a prévu, c'est effectif constant, mais impacté par les évolutions liées au statut carrière du fonctionnaire, ça va représenter à peu près 91 976 euros. Pardon. Les nouvelles mesures réglementaires, l'augmentation du SMIG au 1er janvier 2023, la hausse de la valeur du point au 1er juillet 2022 qui va impacter l'année complète 2023, impacteront aussi ce chapitre 12. En ce qui concerne le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, on va retrouver le fameux coût des indemnités d'imprévision. C'est une dépense exceptionnelle que l'on a prévue à 140 000 euros. Et la hausse de certains coûts, dont le service incendie, les quatre co, à peu près 26 000 euros. On peut passer à la suite. Les recettes. Ah non, on a les subventions. C'est vrai. Donc, les subventions, alors, on a un montant global de 146 316 plus 16 400 de subventions exceptionnelles qui vont se dispatcher avec les associations sportives pour 26 750. La planche suivante, on va voir la suite. Les associations culturelles pour 89 366. Le scolaire pour 3 750. La planche suivante. Ce sont les associations loisirs et liens sociaux pour 26 450 euros. Donc là, on en a terminé avec le budget des associations. On va voir une vue d'ensemble du budget de fonctionnement. Donc, même chose que tout à l'heure, hein, le montant doit être réduit puisqu'il est toujours en équilibre, mais avec 8 071 668,61, puisqu'on a enlevé les 303 500 euros. On peut passer aux investissements. Alors, les investissements. Alors, on a les dépenses. Donc, ce qu'on voit là, ce sont uniquement les opérations d'équipement pour 4 176 286. Alors, ces dépenses, ce sont nouveaux équipements, le solde des travaux du gymnase, 1,5 million. Travaux locaux, police municipale, 82 000 euros. Rénovation énergétique des bâtiments, espace Jean Casson plus mairie, 500 000 plus 163 000 euros. Donc la mairie, c'est travaux d'isolation et pompe à chaleur. Des réaménagements, réhabilitation, l'extension de l'école des Romarins, 450 000 euros. La réfection des balcons du clocher de l'église, 150 000 euros. Des grands aménagements, donc on a prévu l'aménagement du carrefour de la Cousquille, 150 000 euros. Aménagement des écoles, 25 000 euros. Rénovation du quartier des Sénaous, c'est-à-dire opération réseau et voirie, 287 000 euros, et suppression du passage à niveau, parce qu'il y a encore des montants à payer pour 75 000 euros. On peut rajouter l'acquisition, un camion, haillons, 40 000 euros, et acquisition foncière pour 350 000 euros. Et le remboursement du capital de la dette, ce que vous avez sur le côté, s'élève à 380 000 euros. Les recettes maintenant. Alors, les subventions obtenues auprès de nos partenaires. Donc, on a 1 143 835 euros de subventions. Ensuite, les ressources propres, ce sont elles qui rentrent dans le calcul de l'équilibre budgétaire. Elles sont à hauteur de 3 156 278. Elles sont composées donc des ressources propres externes, la FCTVA, la taxe d'aménagement, les ressources propres internes, les amortissements, le virement de la section de fonctionnement et le solde d'exécution exercice antérieur, ainsi que l'affectation du résultat de fonctionnement. Donc, ce qui nous amène à constater une chose, c'est que la règle d'équilibre budgétaire est très largement respectée, puisque ce qu'elle dit, cette règle, c'est que les ressources propres disponibles, qui sont pour nous de 3 156 278,
couvre l'amortissement capital de la dette plus les restes à réaliser des dépenses, qui s'élèvent à 733 287. Donc, ressources propres 3 156 278 et amortissement de la dette plus RAR 733 287. Donc, vous voyez que nous arrivons largement à couvrir nos emprunts. Donc, ce qu'on peut dire sur la vue d'ensemble, c'est que établi un montant de 13 337 741,72, le budget 2023 prévoit 8 375 168,61 en section de fonctionnement, 4 962 573,11 en investissement. Et juste pour terminer, je vous donner un chiffre, le budget des dépenses d'investissement uniquement les opérations d'équipement cumulées sur 3 ans, 2021-2023, s'élève à 11 800 000 euros. Voilà. Merci beaucoup Françoise pour cette présentation qui montre quand même que le budget primitif 2023 correspond à une ambition forte, hein, vous l'avez noté, avec notamment en termes d'investissement, puisque nous allons poursuivre notre dynamique d'investissement sur la commune à des hauteurs quand même très importantes. Vous avez noté le chiffre, près de 12 millions d'euros d'investissement en 3 ans. Pour une commune comme Escalquin, c'est vraiment exceptionnel. Alors nous allons le faire en étant très précautionneux en même temps sur le fonctionnement et les dépenses et le budget de fonctionnement, puisque nous anticipons, hein, encore une fois, une évolution de l'inflation et des revalorisations du point d'indice de la fonction publique. Donc il faut le prévoir. Donc nous sommes très prudents sur, très pessimistes, on va dire, sur les dépenses de fonctionnement, mais c'est normal, on est en prévision. Et puis nous ferons tout ça, bien sûr, sans augmenter les impôts, sans affaiblir notre soutien au tissu associatif. Vous avez vu qu'il est particulièrement, qu'il se maintient, même qu'il est en augmentation. Et surtout, en maintenant, en accroissant notre effort de soutien dans le secteur de l'éducation et des écoles, puisque notre soutien aux écoles augmente, puisque nous avons fait le choix notamment d'accompagner, mieux accompagner les sorties scolaires, mieux utiliser les dispositifs de l'État pour baisser les tarifs de cantine, etc., etc. Sans compter, bien sûr, les dépenses d'investissement de l'école, puisque nous allons investir 400 000 euros à l'école primaire du Petit Bois, des Romarins, pardon. 450, merci Michel. Voilà, j'ouvre maintenant les débats. Qui souhaite intervenir? Monsieur Lala. Je vais parler juste sur une demande de précision concernant le budget aux associations, parce que nous avons vu projeter un chiffre de 146 000 euros et sur nos tableaux, nous avons 162 000 euros. Je voulais savoir cet écart était dû à quoi? Peut-être des... Ce sont les subventions exceptionnelles. Qui viennent s'ajouter. Et oui, vous les avez. D'accord. Là, c'est ce que... Alors attendez, je vais vous le redonner. Vous avez 146 316 euros, plus 16 400 de subventions exceptionnelles. Très bien. Et c'est quoi les subventions? Oui. Ah oui. Et donc, juste sur toujours le thème des associations. Alors, on voit qu'il y a une baisse significative pour certaines associations. Et donc la question, en fait, je m'interroge sur les causes de ces diminutions budgétaires et sur les critères qui ont été adoptés comme aide à la décision. Y compris pour les subventions exceptionnelles. Et les subventions exceptionnelles aussi. En complément, si vous pouvez nous dire aussi ce qui est contenu dans ces subventions exceptionnelles. Bien sûr. Vous finissez de poser l'ensemble de vos questions peut-être, ou je vous souhaite une réponse sur le thème des associations. Sur les associations. Alors sur les associations, peut-être Marie-Claire Loz, adjointe aux affaires, aux associations, va vous répondre. Oui, je vois pas. Enfin, j'ai pas connaissance des baisses significatives à certaines associations. Si vous pouviez préciser, Monsieur Lala. Et notamment, il y a l'association Voix Croisée et la MJC aussi. Voilà, juste à titre d'exemple.
Alors, à titre d'exemple, effectivement, voie croisée, effectivement, une diminution de sa subvention, pardon. Car c'est pareil, nous avons fait des choix. Il se trouve que cette association qui est là, et nous en sommes ravis depuis 14 ans, je crois, ne touche pas beaucoup d'escalquinois et ne profite donc pas à la ville. Donc, voilà, on n'est pas là pour subventionner des spectacles qui ont lieu dans des lieux différents d'Escalquins. Donc, voilà le choix. Nous en avons ouvertement discuté avec les membres du bureau de cette association. Ils comprennent notre position, même si forcément ils ne sont pas très contents, mais voilà. En plus, ils ont... Je vais rester correcte. Ils ont mis en place une manifestation qui ne nous convient pas tout à fait. Donc, c'est pareil, ils ont demandé une subvention pour une manifestation qui ne nous convient pas. Mais, on a arbitré, on a dit ça ne nous convient pas. Donc, si vous voulez la faire, vous pourrez la faire. Mais on ne va pas utiliser l'argent public des Escalquinois pour faire ça. En ce qui concerne la MJC, il n'y a pas de baisse significative de la MJC. Puisque, en fait, je ne vois pas quel est le problème. Ouais. Ici, sur MJC. Alors, premièrement, sur voie croisée, pour compléter l'intervention de Marie-Claire. Il y a une baisse parce que qui est liée, en fait, au financement de certaines manifestations organisées par voie croisée, notamment à l'extérieur d'Escalquins, sur la commune de Ramonville. Voilà, on a considéré, nous, hein, alors après on peut en discuter, mais que ce n'est pas aux contribuables d'Escalquins de financer des spectacles sur Ramonville. Voilà, après on est tout à fait heureux de leurs interventions sur Escalquins. Sur la MJC, il ne s'agit pas d'une baisse significative. C'est un accord qui a été passé entre la direction de la MJC, la direction régionale et la commune d'Escalquins, pour pouvoir utiliser le fonds associatif qui s'élève à 120 000 euros sur cette association-là, qui était constitué en partie de provisions pour réaliser des travaux de réfection de la MJC. Sauf que, juridiquement, il n'y a que la commune qui est apte à intervenir sur le bâtiment de la MJC, puisque c'est un bâtiment communal. La MJC, en tant qu'association, n'a pas le droit d'intervenir dessus. Donc nous avons discuté, on s'est mis autour de la table, donc on leur a dit que nous allons prendre en charge ces travaux de rénovation. Donc, si vous voulez, la subvention de fonctionnement est compensée par une dépense d'investissement, d'accord ? Et en contrepartie, ce qui leur permet, eux, de consommer une partie de ces provisions qui n'avaient été pas faites dans le fonds associatif pour financer leur fonctionnement. Donc, visuellement, je vous rejoins, quand on regarde les chiffres un peu de manière brute, on voit une baisse, mais en réalité, ça résulte d'un accord qu'on a passé ensemble pour maintenir l'effort de financement, mais qui ne passe pas par les mêmes canaux. Voilà. Alors, Monsieur Delmas. Donc, juste une demande de précision, c'est un accord du coup qui ne concerne que 2023 ? Alors, comme le fonds associatif était important, c'est un accord qui s'étend sur deux exercices. Voilà. Donc, alors, ou trois, mais ça, nous referons le point avec eux, bien sûr. On ne va pas dessiner de manière unilatérale. On a travaillé ensemble dans un bon esprit et on le continuera. Si les travaux que nous allons effectuer pour l'instant, bon, on va procéder à des études précises, mais s'élèverait à une somme supérieure à 30 000 euros. À ce moment-là, ça s'étalera sur plusieurs exercices, mais là encore, on en discutera avec eux. Hein. Oui. Oui, j'avais une deuxième question, parce que je n'ai pas compris, je ne suis pas au courant du sujet, donc je n'ai pas compris l'allusion sur le fait qu'il y ait des spectacles de voix croisée qui ne donnent pas satisfaction
à l'équipe municipale. J'aimerais bien connaître la nature de ces prestations qui peuvent amener à poser problème et à réduire une subvention, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est pas que ça ne donne pas satisfaction à l'équipe municipale, c'est parce que, comme on vous l'a dit avec Marie-Claire, le festival Voix Croisée comprend des spectacles qui se déroulent sur la commune de Ramonville, sur la commune de Saint-Orens et sur la commune d'Escalquens. Voilà. Ah, d'accord. Il était fait référence d'une manifestation qui doit se passer sur la commune et sur. J'y viens, monsieur. Donc ça, je reviens pas sur les spectacles aux alentours. Et il y a, alors, Voix Croisée pour cette année nous a proposé une dépense supplémentaire pour l'organisation d'une manifestation, qui représentait de mémoire 3 500 €. Ou même plus, bon, enfin voilà, j'ai plus le montant en tête, donc voilà, on en a discuté, nous, on était réservés parce qu'on considérait que ça n'allait pas toucher beaucoup de monde, et on a réalloué les montants sur d'autres associations qui avaient aussi des demandes, je pense notamment au comité des fêtes, hein, qui réalise pas mal d'animations sur la commune, et qui ont considéré qu'avait un financement un peu faible. Alors tout ça, on essaye de l'objectiver sur la base de ratios, hein, notamment rapporter la subvention au nombre d'adhérents ou au nombre de spectacles ou au nombre, etc., de manière à avoir la décision la plus éclairée possible. Et sur ce diagnostic, on essaye d'objectiver, eh bien, avoir un dialogue ensuite avec les associations elles-mêmes. Voilà. Alors parfois, évidemment, hein, l'allocation de moyens limitée, parce que même si le soutien global est en augmentation sur la commune, bon, c'est de l'argent public, donc il faut, on essaye de l'allouer au mieux, quoi. Alors, il y a Monsieur Paillard et ensuite Françoise Vazy. Je voulais juste donner une information, c'est que nous avons, donc on peut dire qu'on a atténué l'effet de l'inflation, parce que nous avons estimé les charges. Chaque association, si je me souviens bien, Marie-Claire a reçu le montant de ce que coûtent les fluides, de ce que coûte l'entretien, et donc on en a, l'information est partie, mais on n'en a pas tenu compte. On n'a pas dit, voilà, telle association, vous avez tant de charges, on va les déduire de votre subvention, ça n'a pas été fait, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment égalitaire. Parce qu'il y a des associations qui sont beaucoup plus consommatrices que d'autres. Merci Françoise pour cette précision. Monsieur Bayard. Oui, monsieur le maire, je voudrais qu'on revienne au budget lui-même. Moi, j'avais fait 3 constats. Le premier, c'est justement sur les recettes de gestion courante et les dépenses de gestion courante. Oui, je suis désolé d'y revenir, mais parce que c'est justement ce qui marque la gestion propre de la commune. Cette année, donc sur ce budget, en fait, les dépenses de gestion courante sont supérieures aux recettes de dépenses courantes. Pas de beaucoup, mais elles sont supérieures. C'est probablement la première année de l'histoire d'Escalquens où ça se passe. Ça pose une vraie question. Ça, c'était mon premier constat. Mon deuxième constat portait sur l'anomalie que vous avez soulignée, que j'avais relevée aussi, et je vous rappelle que je vous en ai fait part dès que j'ai pris connaissance de cette anomalie et que j'ai vérifié qu'effectivement c'était bien une anomalie ou une erreur. Donc, celle-là, on va l'oublier. Puis, un troisième constat, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, ça ne me permet pas de rembourser les emprunts. Et donc, on est dans une situation ici qui est problématique en termes de gestion courante, de fonctionnement, de la commune. Il manque 373 000 euros dans la section de fonctionnement, d'accord, et donc ça ne permet pas de rembourser les emprunts. Du coup, 3 questions. Première question, quelle est la cause de ce dérapage? Parce que c'est un vrai dérapage ce coup-ci.
Deuxième, et donc, est-ce que c'est une question de recettes? Est-ce que c'est une question de dépenses? Ou des deux? Deuxième question, que peut-on ou que doit-on supprimer comme dépenses superflues pour assainir cette situation? Et troisième question, ou quelles recettes faut-il trouver? Troisième question, est-ce que, là encore, il ne faudrait pas faire une pause dans la stratégie de la commune, d'accord, pour que, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement, je vous rappelle que vous nous avez annoncé lors du dernier conseil que Escalancène serait reconduit et qu'il coûterait plus cher. Dans cette situation, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il ne faudrait pas repousser cette manifestation d'un an, d'autant qu'on sait qu'elle mobilise considérablement les services, qu'elle mobilise les associations et que donc elle mobilise des moyens financiers pour la commune. Voilà les trois questions que je me pose aujourd'hui avec très clairement une très forte inquiétude sur l'évolution que j'évoquais déjà l'autre fois, sur l'évolution de notre commune et sur la maîtrise des dépenses dont vous nous parlez et surtout l'équilibre entre la recette et la dépense dans cette commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur Payard. Alors, peut-être sur les chiffres, je vais laisser Françoise vous répondre. Alors, je répondrai juste sur Escalancène, parce que moi, on m'en parle régulièrement. Donc, je répondrai juste d'abord sur Escalancène, parce qu'on m'en parle régulièrement. Et les gens sont ravis, attendent ce spectacle. Je m'en fous. Tout le monde, y compris les agents, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui leur pose problème. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit au début sur l'anomalie. Oui, vous nous avez informés, d'ailleurs nous vous en remercions, sauf que ça veut dire que nous avons les mêmes réseaux, nous aussi nous avons été informés. Donc bon, c'est pas une anomalie très grave, c'est une anomalie technique qui va être rectifiée. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je ne vois aucun problème ce que vous citez, enfin pour moi il n'y en a pas du tout. J'ai parlé tout à l'heure du calcul J'ai parlé tout à l'heure des ressources propres, donc c'est ça qui est important. Mais encore une fois, là, on parle du budget, et le budget, on ne fait pas une analyse financière du budget. On fait l'analyse quand on a un compte administratif, pas au moment du budget. Le budget, ce sont des prévisions. Donc, on fait des prévisions avec les éléments que l'on a, en essayant d'être le plus sincère possible, et c'est tout l'équilibre qui est difficile. Mais faire une analyse financière comme ce que vous faites, il n'y a pas de raison de la faire sur le budget. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, encore une fois. Alors, Michel Gouret. Monsieur Payard, depuis tout à l'heure, vous nous faites l'histoire avant. Mais est-ce qu'on peut se projeter, à un moment donné, dans le futur, et vous positionner en tant que tel? Parce que vous êtes toujours en train de nous... Je me souviens très bien les premiers conseils municipaux de notre mandature. Vous nous parliez également d'avant. Un jour, vous avez dit, j'en parlerai plus, je vais me projeter. Je m'en souviens très très bien. Mais vous revenez toujours là-dessus. Aujourd'hui, on est sur un budget. L'exercice n'est pas terminé. Il faut arriver à se projeter. Oui, les temps sont durs. Oui, on ne peut pas... peut-être avoir des marges supplémentaires. Donc aujourd'hui, vous êtes encore en train d'agiter le chiffon rouge, de parler du passé. Soyez un peu bâtisseur, soyez ambitieux, adhérez. Vous parlez de 10 000 habitants, oui. Au moins ça, on le partage, oui, la commune va grossir. Ensuite, Escalancène. Vous avez déjà abordé le sujet au dernier conseil municipal. Je vais rectifier quand même une erreur. Vous avez annoncé que le budget des associations était de 80 000 euros. Aujourd'hui, vous en avez la preuve, ce n'est pas Michel Gouret qui le dit, c'est vous, c'est 161 000 euros. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un soutien aux associations. Arrêtez aussi avec ça. Donc, soyez quand même un petit peu, raisonnable. Je ne sais pas si vous pouvez, mais aujourd'hui, il faut recaler un peu le discours. Merci Michel. Oui, Monsieur Payard.
de 80 000 euros. Quand j'ai parlé du budget, je n'ai pas parlé du passé. Donc, s'il vous plaît, qu'on ne mélange pas tout, parce que ce n'est pas possible. Là, c'est manifestement hors sujet comme réaction. Donc, si on parle de, si on veut être sensé et parler de questions sensées, qu'on se centre sur le sujet, je pose une question qui est de dire, on a des dépenses qui sont super courantes, qui sont supérieures aux recettes courantes, ça ne permet plus de dégager le financement nécessaire pour rembourser les emprunts. Aujourd'hui, on va rembourser les emprunts avec les 800 000 euros qu'on réinjecte en fonctionnement et qui vont permettre derrière de... C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de consommer le fonds de roulement de la commune, et la meilleure preuve en est, c'est que malgré un emprunt d'un million six, on va se retrouver avec 780 000 euros de fonds de roulement à la fin de l'année, alors qu'on en avait 2,7 millions au début du mandat. C'est ça la question que je pose, et c'est pas une question insensée, Monsieur Gouret, je suis vraiment désolé, c'est une vraie inquiétude qu'on a sur l'évolution de cette commune. Donc répondez à l'inquiétude, s'il vous plaît, ou alors c'est pas la peine qu'on ait cette discussion. Bon, alors on va répondre à l'inquiétude, Monsieur Paillard, mais la difficulté dans laquelle vous nous mettez, c'est que vous exprimez une inquiétude qui est fondée sur, à la base, des faits que nous ne confirmons pas et des chiffres que nous ne confirmons pas. Enfin, je ne sais pas, je vais laisser Françoise compléter, mais je ne sais pas, vous avez vu que nos dépenses de fonctionnement étaient supérieures à nos recettes et qu'il manquait 360 000 euros et qu'on n'arrivait pas à rembourser nos emprunts. On vous a démontré tout à l'heure que c'était faux. Et en plus, je veux dire, si c'était le cas, mais ça passerait même pas le contrôle budgétaire à la préfecture. Enfin, Donc non, je vous confirme qu'il n'y a pas de déséquilibre de la section de fonctionnement. Juste, je voudrais revenir, vous avez parlé d'un emprunt. Donc ce qui est clair, c'est que la commune n'a pas prévu de mobiliser un emprunt. En revanche, elle va pouvoir avoir recours éventuellement à un prêt relais qui est d'1,6 million et qui sera adossé aux recettes à percevoir comme le FCTVA, mais qui ne va pas être forcément mobilisé sur 12 mois. C'est suivant les besoins. Il se peut qu'on mobilise 600 000 euros, 400 000 euros. Donc, on ne peut pas parler d'emprunt. Alors, oui, madame. Juste avec des mots de débutant, pour être bien sûr, on aurait éventuellement la nécessité de mobiliser un prêt relais en attendant les versements de la FCTVA, c'est ça ? Également le produit de la cession Vinci, qui est attendu. Le produit de la cession Vinci. Oui. Les deux. Oui. Ok. Oui. Ça vous laisse interrogative. Ah oui, enfin, oui. Ben pour, allez-y, pour quelle raison ? C'est-à-dire... C'est-à-dire un prêt relais pour, en attendant de collecter les recettes de la FCTVA. Oui, ça m'assoit. Bon, je peux vous dire que c'est une pratique qui est des plus courantes parmi les collectivités locales. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais juste, je suis pas une critique. C'est juste parce que, vous savez, on paye nos dépenses d'investissement TTC et l'État nous compense une partie de la TVA. Alors, pas la totalité, mais une partie. Et il y a un décalage dans le versement. Donc, il faut gérer la trésorerie. Et parfois, effectivement, peut-être amené à faire un peu la liaison entre ces deux moments. Je vous rappelle que la commune, depuis 2 ans maintenant, doit faire face à un pic d'investissement qui composé d'une conjonction de la construction du nouveau gymnase, qui est un investissement à 4,6 millions qu'il faut décaisser, tous les projets donc de voirie, les projets de remplacement de l'éclairage public, tous les investissements qu'on fait sur l'école, ainsi de suite, les pistes cyclables, ainsi de suite, etc. etc. Donc, si vous voulez, oui, il y a beaucoup de dépenses d'investissement. C'est vrai que ça nous oblige vraiment à gérer notre budget de manière très, très fine. Et le prêt relais est un outil à disposition des collectivités locales, un outil en trésorerie, hein, qui nous permet de mobiliser parfois pour faire la jointure, si vous voulez, entre une dépense et une recette attendue. Alors, comme vous l'a dit Françoise,
c'est aujourd'hui, il est dimensionné dans le budget au risque maximum. Nous espérons bien sûr, mais ça c'est tout le jeu de l'exécution et de la prévision, c'est-à-dire il faudra que nous on arrive à moduler les dépenses de manière à minimiser le recours à ce pré-relais. Mais on est obligé de le prévoir, parce que si on ne le prévoyait pas en prévision, on risquerait à un moment donné d'avoir des difficultés de paiement. Donc il faut être prudent, quoi. Encore une fois, la prévision est basée sur la prudence, hein, au niveau du budget primitif. Alors, Sébastien. Vous dites que l'ancienne municipalité avait 2,8 millions en compte. C'est sûr, quand on ne fait rien, on peut économiser. Ça, c'est évident. Bon, donc, pour une fois, je remercie la municipalité, malgré le peu d'investissement, d'avoir su mettre en compte 2,8 millions, parce qu'il ne manquerait plus, en plus, qu'elle n'ait pas ce potentiel, qu'elle n'ait pas fait cette économie. Il nous reste quand même en compte 1 million. Hein, voilà. Donc, c'est normal, ça fait partie donc des investissements, grâce à cette économie que l'ancienne municipalité a faite, mais parce pourquoi la économie, je reviens encore, parce qu'ils n'ont rien fait au niveau investissement, au niveau rénovation, au niveau isolation, enfin peu importe, ils n'ont absolument rien fait. Voilà. Donc nous prenons effectivement sur les 2,8 millions, et oui, il faut. Ceux qui n'ont pas fait, eux, pendant 15 ans, ben nous, on le fait. Et il y a une manne, je dis que c'est une manne, mais cette manne a été faite grâce à leur économie et parce qu'ils n'ont pas encore investi et fait ce que nous sommes obligés de faire maintenant avec beaucoup de retard. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, peut-être une... Monsieur Payard, une autre intervention ? Un point quand même, en 2019, il y a eu, monsieur Massa, 1 million d'euros d'investissement en dépenses d'équipement. Donc, entre rien et 1 million d'euros, je vous laisse juger. Merci. Monsieur Payard. Il ne s'agit pas de défendre ou d'accabler l'ancienne municipalité. Donc, on a autre chose à faire, je crois. Je pense que la construction de la médiathèque, la construction du Bergeant, ça a été des vrais investissements dans la commune et je pense qu'ils sont utiles aujourd'hui. Donc n'allons pas dans l'excès de dire ils n'ont jamais rien fait, etc. C'est pas tout à fait exact, mais peu importe. Ce sur quoi je voudrais revenir et insister, c'est que il ne s'agit pas effectivement de thésauriser. Il y avait 2,7 millions, ok, très bien. Aucun souci qu'on le consomme pour faire des investissements, mais c'est normal. Cela dit, quand on arrive en dessous d'un certain seuil, on devient obligé de faire des, on est obligé de faire des prêts-relais pour assurer la trésorerie. Et toute la question est de savoir à quel niveau on se situe et de ne pas trop pomper sur son fonds de roulement, ça s'appelle comme ça, pour ne pas être obligé de faire des prêts de trésorerie. Et ça nous renvoie à une question qu'on a déjà abordée, qui est celui de la stratégie financière de la commune. On en avait déjà parlé sur les emprunts l'an dernier. Je rappelle et je confirme, puisqu'il m'a été dit que non, on ne pouvait pas emprunter plus de 2 millions d'euros. Je confirme que les contacts que j'ai eus avec les services financiers d'une grande banque, ceux qui sont spécialisés dans le financement des collectivités, nous ont dit, vous aurez 3 millions d'euros sans aucun problème pour faire des investissements, voire plus. Donc, ce que je voudrais dire derrière, c'est qu'il y a des choix qui sont faits, il faut les assumer en tant que tels. Vous n'avez pas souhaité emprunter les 3 millions d'euros que vous auriez pu emprunter, c'est un choix que vous avez fait. Il ne vous appartient. Mais surtout, derrière, ne venez pas dire « Ah ben non, mais on ne pouvait pas, etc. et on est contraint. » Et... Non, c'est des choix qui sont faits, c'est des choix qui étaient heureux ou malheureux. Je pense qu'effectivement, ne pas avoir voulu emprunter à l'époque, parce qu'on savait déjà qu'il y avait de l'inflation, on savait déjà, et oui, ben oui, l'inflation, elle a commencé en novembre 2021.
Donc on savait déjà, quand vous avez négocié vos prêts, on le savait, puisqu'il y a eu 3-4% d'augmentation sur 2021, c'est ce qui a permis d'augmenter les recettes fiscales en 2022. Donc on savait qu'il y avait de l'inflation. Emprunter à 1,5% ou 1,2%, ce qui a été le cas, sur 15 ans à taux fixe, alors qu'on a une inflation, bah ça veut dire qu'on gagne de l'argent tous les ans. Tous les gestionnaires le savent. Et on gagne de l'argent tous les ans. Donc, effectivement, on considère qu'il y a eu probablement un choix qui n'appartient qu'à vous et qui est probablement une erreur de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, on va faire des prêts relais qui dépasseront les 3%. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais simplement, ne mélangeons pas tout quand on dit « oui, mais on a fait ci, on a fait ça ». Non, mais on est bien conscient de la situation de la commune, on est bien conscient des limites de cette commune, qui sont des limites structurelles, en fait, dans la structure des recettes de la commune, ce sont des limites structurelles. Comment est-ce qu'on est capable de dépasser ces limites structurelles? Mais il faut en tenir compte de toute façon, il ne faut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur Payard. Peut-être Françoise sur la stratégie financière, qui est un vrai sujet, mais alors, non, pour le coup, qu'on assume. Non, comparer un prêt sur 15-20 ans avec un prêt relais qui est adossé à une cession sur quelques mois, c'est franchement pas la même chose. C'est pas de la stratégie financière. Hein. Très bien. Bon, je crois qu'on a suffisamment échangé sur ce budget primitif 2023, hein, donc que nous inscrivons dans une dynamique et une ambition au profit de notre commune, notamment en termes d'investissement. Et vous avez exprimé une inquiétude sur les associations et sur notamment l'équilibre budgétaire et notre capacité à rembourser les emprunts, et nous vous avons répondu là-dessus. Alors maintenant, je vais mettre au vote. On a juste quelque chose à vous dire, c'est que donc les personnes, les conseillers municipaux qui font partie d'une association ne peuvent pas prendre au vote. Donc il y a les présidents, trésoriers et je pense tous les adhérents d'une association. Si vous êtes adhérent d'une association, vous ne pourrez pas prendre. Oui, alors c'est vrai que c'est une réglementation en matière de conflit d'intérêts, hein, oui. qui est très stricte. Hein. À ce propos, j'avais une interrogation. Attendez, Madame Macouk, je vous en prie. Non, mais j'avais justement une interrogation parce qu'habituellement, nous avions une délibération disjointe spécifique pour les associations, ce qui permettait effectivement de s'abstenir. Or là, elle est jointe au vote. Donc, il faut qu'on puisse pouvoir voter sur le budget sans avoir à prendre part au vote aux associations, ce que je comprends très bien. Alors, nous avons une annexe, c'est l'annexe au budget, donc hein, voilà. Ah oui, mais c'est partie du document budgétaire, je suis désolé. Voilà. Les membres du CCAS ne peuvent pas voter non plus. Tous les membres. En l'occurrence, puisque CCAS, si. Si. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ah, moi, j'en fais partie aussi. Moi aussi. Donc, nous sommes deux. Non, trois. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir voter, hein, vu le nombre d'associations qu'il y a sur la commune et le nombre d'adhérents aux associations. Il n'y a pas de quorum. C'est pas grave, non. Monsieur le maire, j'ai une suggestion. Est-ce qu'on peut dissocier le vote sur les associations du vote du budget, ce qui nous permettra de sortir du pas, parce que sinon on ne vote pas le budget. Oui. Alors, on va. Alors, si vous êtes tous d'accord, parce que ça nécessite de modifier l'ordre du jour, donc il faut qu'on soit tous d'accord. On va bâtir deux délibérations. Hein, à ce moment-là, ça nous permettra effectivement de disjoindre. Si vous êtes tous d'accord. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord sur cette manière de faire. Très bien. Donc, on va procéder tout d'abord au vote des subventions aux associations dans l'ordre. Donc, merci au président, membre d'association de ne pas prendre part au vote.
Ils doivent quitter la salle ou pas? Non, c'est pas la peine. Il suffit de ne pas prendre part au vote. Et de s'identifier. Le quorum n'a pas d'importance. Il n'y a pas de quorum. Non, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, il n'y a pas de question de quorum. Et ensuite, nous voterons pour le budget. D'accord? Et là, tout le monde pourra prendre part au vote. Non, il faut donner. Excusez-moi, il faut donner les noms à Nicolas pour qu'il puisse enregistrer les personnes qui ne vont pas, voilà, qui ne peuvent pas voter. Alors, qui ne prend pas part au vote. Alors, Madame Agudbosc pour les associations. Hein, donc, il y a Laurence Large et Madame Agudbosc. Il faut le nom de l'association. Alors. C'est quelle association? Quoi? Le club du troisième âge. D'accord. Club de l'amitié, puis le jardin des coquelicots, non aussi? C'est ça. Une, ça va aller. Moi, c'est ah, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est qui ensuite? Ah, Jemel. Oui, donc toi, Escalmouve. Jemel Bensassi. Marie-Claire. Il n'y a pas de session. C'est quoi, là? Hein? MJC. Ah, oui, ah oui. Ah. Alors ensuite, il y a. Madame Escalform. Escalform, donc Madame McCook, c'est ça? Madame Personne, Bon Pied Bon Oeil. C'est tout? C'est tout? Ah, Monsieur Payard. Monsieur Payard. Escalbricole pour Monsieur Payard. Voilà. Mais on ne peut pas voter. Donc vous ne prenez pas part au vote. Monsieur le maire, on pourra avoir copie du texte. Merci. Monsieur. Voilà, donc je vous propose de passer au vote de la délibération sur les subventions aux associations. Voilà, pour ceux qui peuvent voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, deux abstentions. Donc, adopté à la majorité moins deux abstentions. C'est bon? Alors maintenant, nous allons passer au vote du budget. Donc là, vous pouvez voter, hein, pas de souci. Donc, qui est contre? 8. Donc, 8 contre. Qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité, moins 8 votes contre. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, avant de clore la réunion, on a une question orale qui a été posée par le groupe donc, Un Souffle Citoyen. Donc, je la lis. Hein, donc, nous souhaitons faire insérer à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la question orale suivante. Point sur la démocratie participative, conseil de quartier, assemblée consultative citoyenne, conseil des sages. Voilà, donc Lucas Morici, le conseiller délégué à la démocratie participative, va apporter quelques éléments de réponse sur cette question orale. Oui, Lucas. Exactement. Donc, étant donné que j'ai le droit à une question affirmative, je vais vous faire du coup la liste de tous les événements de la démocratie participative depuis le janvier 2022. Donc, pour ce qui est de l'aménagement du centre-ville, nous avons une présentation de la proposition du Conseil des sages à la majorité municipale dans la salle des Mirandes le 31 janvier 2022 à 10h. Nous avons ensuite une présentation de proposition au Conseil des sages et à l'association PLU Harmonieux au cabinet d'urbanisme, salle des Mirandes, 12 mai 2022, 14h. On a ensuite une présentation de proposition du Conseil des sages à la majorité municipale, salle des Mirandes, 20 mai 2022, 18h30. On a une première présentation, une réunion publique, présentation et esquisse d'aménagement et atelier participatif par groupe, salle des fêtes, 28 juin 2022, 18h30.
Réunion comité citoyen du Lauragais, spécifiquement sur le terrain de football du Lauragais, salle des Mirandes, 27 août 2022, 16h. Réunion entre tous les conseillers municipaux, le conseil des sages et l'association PLU Harmonieux, salle de Loustal, 18 octobre 2022, 18h30. Réunion publique numéro 2, atelier participatif sur les espaces emblématiques du centre-ville, salle des fêtes, 19 octobre 2022, 18h30. Réunion du comité citoyen du Lauragais, spécifiquement sur le terrain du football du Lauragais numéro 2, salle des fêtes, 3 novembre 2022, 19h. Réunion entre majorité municipale et le conseil des sages, salle des Mirandes, 16 novembre 2022, 18h30. Réunion élaboration du livret de votation du conseil des sages, salle en rez-de-chaussée de mairie, 25 novembre 2022, 16h. Réunion du comité citoyen du Lauragais, spécifiquement sur le terrain de football du Lauragais numéro 3, salle des Mirandes, 1er janvier 2023, 18h. Exposition permanente ouverte à tous, plus permanence entre élus, permanence des élus de la majorité des dimanches matins, salle des mariages, du 7 juin 2022 à février 2023, le dépouillement du vote centre-ville avec invitation de tous les membres des instances démocratie participative, salle des Mirandes, 9 février 2023 à 9h, réunion comité citoyen du Lauragais spécifiquement sur le terrain du football du Lauragais, salle des Mirandes, 28 février 2023 à 18h, réunion de présentation des votes de votation à la population, salle de Loustal, 7 mars 2023 à 18h30. Réunion de présentation des résultats de votation à la population, salle de Loustal, 8 mars 2023 à 18h30. Comité de pilotage élargi AOP, centre-ville et avec invitation de l'ensemble des instances de DP, salle de Loustal, 23 mars 2023, 18h30. On va maintenant passer à la révision du PLU. Donc, il y a eu un comité de pilotage élargi AOP du SOSA, salle de Loustal, 1er février 2022, 18h30. Comité de pilotage élargi AOP densification, salle des fêtes, 10 mai 2022 à 18h30. Comité de pilotage élargi nature et cadre de vie, salle des fêtes, 27 septembre 2022, 18h30. Comité de pilotage élargi AOP mobilité, salle de Loustal, 19 décembre 2022, 18h. Réunion des riverains, projet AOP Capitole, salle de Loustal, 16 février 2023, 18h. Comité de pilotage élargi AOP Capitole, salle de Loustal, 21 mars 2023, 18h30. Il y a actuellement un projet d'immobilier sur le site de la mairie d'Escalquins à la consultation publique. Pour ce qui est des projets de biodiversité, il y a eu un groupe de travail citoyen de la biodiversité, salle de Loustal, 12 avril 2022, 18h30. Un groupe de travail de citoyens de la biodiversité, salle de Loustal, 27 avril 2022, 18h. Groupe de travail citoyen de la biodiversité, salle de Loustal, 25 mai 2022, 18h. Groupe de travail de citoyens de la biodiversité, salle de Loustal, 5 octobre 2022, 18h. Ainsi que 34 réunions du Conseil des sages et une réunion de la consultation citoyenne, assemblée consultative citoyenne, réunion des collèges seniors de l'Assemblée consultative citoyenne le 6 janvier 2023. Merci beaucoup Lucas pour ces éléments très factuels donc qui permettent quand même de constater une pratique importante hein, de la participation des habitants d'Escalquins et de leurs représentants sur divers sujets. De municipaux. Alors, monsieur Payard. Ça aurait peut-être été bien que je puisse expliciter ma question orale avant d'avoir une réponse, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est un bilan qualitatif, c'est-à-dire en fait, quelles ont été les saisines de la mairie vis-à-vis du Conseil des sages, vis-à-vis de l'Assemblée consultative citoyenne. Moi, quand je dis saisine, quand j'étais au CODEV, nous avions des saisines de la mairie qui nous disaient, on vous demande de travailler sur tel dossier, on souhaiterait avoir des réponses pour telle date. On peut faire des litanies de réunions. J'ai l'impression qu'il y a certaines réunions qui ne font pas partie de la démocratie participative, mais bon, peu importe. Je ne sais pas si les OAP... est-ce qu'il y a eu des réunions des conseils de quartier? Qu'est-ce qui leur a été demandé? C'est ces questions-là qui sont intéressantes.
Alors on peut toujours faire des tas de listes, de tas de choses, mais cette démocratie participative, comment elle vit, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, c'est ça les questions qu'on a à poser. Puis après, on parlera peut-être des OAP, si vous voulez bien. Très bien, qui c'est qui souhaite... Non, c'est bon. Ah oui, Lucas, Lucas Morissi va vous répondre là-dessus. Oui, je peux formuler un début de réponse en tout cas. J'entends bien hein, ce que vous dites. Effectivement, bon, on aurait pu élargir la discussion sur le sujet de la démocratie participative. Bon, après, nous avons reçu la question, si je ne dis pas de bêtises, hein, nous avons reçu la question mardi soir vers 18h50, il me semble. Donc, ça a demandé à un de mes agents de travailler pendant 6 heures pour vous pondre ce travail. Ça représente un travail relativement conséquent. Ben, vous savez, il n'y a pas que des réponses inutiles, il y a aussi des questions inutiles. En tout cas, nous, on répond à la hauteur de votre question, qui est en fait finalement une affirmation. Donc, je tiens aussi à dire qu'on aurait pu en échanger en commission bilocale. Et je suis quand même relativement déçu de ne pas avoir vu l'opposition à la dernière commission bilocale, parce que visiblement, elle était en même temps que la commission urbanisme ou finance, c'était la commission finance. Et pour des raisons de duplicité, c'est-à-dire que visiblement, l'opposition n'arrivait pas à se... Oui, exactement, vous étiez visiblement qu'un seul pour deux. Il n'y avait qu'une seule personne pour deux commissions. Et nous avons appris ensuite, durant la commission bilocale, qu'il y avait en fait deux membres de l'opposition à la commission finance et zéro à la commission bilocale. Je suis donc déçu de ne pas avoir pu en discuter en commission bilocale. Et connaissant votre rigueur, je ne me serais pas permis, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour répondre à votre grande question, de pouvoir vous répondre en fin de conseil municipal. Je pense qu'une question écrite avec une réponse dans les 15 jours aurait été largement suffisante. Merci Lucas. Monsieur Bayard. J'avais une autre question. Bon, j'ai bien entendu. Je vous rappellerai quand même que dans les commissions municipales, les membres de l'opposition sont généralement toujours là et absents à titre exceptionnel, et que du côté de la majorité, par exemple dans la dernière commission où j'ai assisté, qui était la commission finance, il y avait tous les membres de l'opposition et 3 membres de la majorité sur 6, ce qui montre bien tout l'intérêt de ces commissions. Maintenant, je voudrais revenir aux OAP. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que sont ces comités de pilotage des OAP. Parce qu'au départ, on nous a annoncé que c'était des comités de pilotage dans lesquels on nous avait dit l'opposition, vous aurez droit à un représentant de l'opposition pour chacune des listes. Et c'est tout, et il fallait que ça soit nominatif. Tu te souviens, Robert, il fallait que ça soit nominatif et que s'il y avait jamais un suppléant, il fallait que ça soit nominatif aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a des comités de pilotage ou 10 comités de pilotage des OAP dans lesquels on a 40 ou 50 personnes qui viennent ou qui ne viennent pas. Ces comités de pilotage, en fait, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a 50 personnes qui sont alignées, on a un technicien et un élu qui parlent, et puis des gens qui posent des questions et le technicien ou l'élu répond. Est-ce que c'est un comité de pilotage? Est-ce qu'il faut continuer à appeler ça comité de pilotage? Moi, j'appelle ça réunion de formation mutuelle. Parce que ce comité de pilotage ne pilote rien du tout, en réalité. Il n'y a pas de structure de prise de décision, il n'y a pas de vote dans ces comités de pilotage. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur quelque chose qui est, ma foi, fort intéressant, et j'ai participé à un certain nombre de ces comités de pilotage d'OAP, mais en fait, ce ne sont pas des comités de pilotage. Je pense que c'est important de distinguer, effectivement, quand on parle de démocratie participative, pour revenir à ce sujet, je pense que ces comités de pilotage d'OAP ne font pas partie de la démocratie participative. Ce ne sont pas des instances qui vont élaborer des choses. Parce que j'ai bien compris que le Conseil des sages, en fait, est-ce qu'il a été saisi
le Conseil des sages ou est-ce qu'il s'est auto-saisi? Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que derrière, les commandes de la municipalité à, aux instances de démocratie participative, c'est ce qui fait vivre ces instances. S'il n'y a pas de commandes, moi, ce qui m'a été rapporté par des gens qui font partie de la CC, c'est que depuis l'été dernier, il n'y avait eu aucune réunion. Alors, effectivement, il y a des réunions d'OAP, machin, etc. Mais la CC en tant que telle, semble-t-il, ne s'est pas réunie depuis l'été dernier. Donc, question, là encore, c'est pas comme on va me dire, ah oui, mais vous polémiquez, puis tout va mal. Non, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, si on constate un dysfonctionnement, pour que ça fonctionne mieux. Parce que derrière, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire que c'est des instances qui doivent servir à produire des idées pour la municipalité, pour le bien commun. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles soient en mesure de le faire? C'est vrai, c'est la question de fond, une fois de plus. Merci, Monsieur Paillard, pour cette intervention. Alors, s'il vous plaît. Alors d'abord, moi je ne peux pas vous laisser dire vraiment, et je crois que ce n'est pas très sympa pour les, gens, pour les participants, que les OAP, que les commissions, les copiles, etc., qui ont été réunies, et les réunions qui ont été organisées avec ce copil sur les OAP dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, ont servi à rien, sont non, simplement des réunions d'information. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Je vous en prie, si vous avez dit que c'est juste un échange des réunions juste d'information, vous avez dit. Ce n'est pas vrai. Enfin, je dis, la dernière, je prends juste un exemple, hein. La dernière qui a eu lieu sur le Copil Centre-Ville, réunion à laquelle certains d'entre nous ici ont participé, qui est très constructive, on a toujours pris en compte les propositions qui ont été faites et qui étaient retenues par l'ensemble. On a validé nos propres propositions auprès des membres. Je ne peux pas vous laisser dire que ce sont simplement des réunions d'information, ce n'est pas vrai. Au-delà de cet exemple, moi, je dirais que la démocratie participative, c'est pas qu'une question d'instance ou de procédure. C'est aussi une question d'état d'esprit, c'est une question de pratique. La démocratie participative, ça doit vivre. Et surtout, ça doit vivre dans les deux sens. Et ça doit aussi remonter des habitants eux-mêmes, si je puis dire. Chaque fois que nous avons eu une difficulté à traiter, qui a été remontée ou exprimée par des habitants ou un groupe d'habitants, oui, nous avons fait le choix d'organiser des réunions. Réunion des riverains, par exemple, sur le quartier du Lauragais, mais pas que. Parce qu'il y avait un besoin, parce qu'une inquiétude ou une demande s'est exprimée. Et l'état d'esprit qui a été le nôtre, ça a été de se dire, bon, on se met autour d'une table et on essaye de résoudre collectivement le problème qui nous réunit. Voilà. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément un comité de quartier qui existait ou qui s'est déclaré selon les formes qu'on avait prévues. Et alors, l'idée, c'est quand même de travailler avec les habitants eux-mêmes. C'est ça, l'essence de la démocratie participative. Ça doit être vivant, ça doit correspondre à un besoin. Si c'est réunir des instances pour le simple plaisir de réunir des instances dont la composition est décidée par la commune et dans laquelle il ne se passe pas grand-chose, je dirais aucun intérêt. Et nous, notre choix politique, alors après on peut le discuter encore une fois, ça a été de dire la démocratie participative, elle ne doit pas être descendante. Elle doit être ascendante. Si à un moment donné, l'Assemblée consultative citoyenne, nous avons lancé les choses, nous avons initié un certain nombre de réunions avec les membres, etc. Et ensuite, on leur a dit, c'est à vous aussi de vous organiser. Nous, on offre des salles de réunion, on offre une infrastructure, on offre un support. Mais si à un moment donné, il n'y a pas d'auto-organisation, on considère que ce n'est pas au maire de suppléer cela et d'imposer une organisation. En revanche, chaque fois qu'il y a eu une demande qui émanait des habitants, systématiquement, nous avons proposé une réunion et autant de réunions que nécessaire pour résoudre la question. Et je crois que la liste des réunions auxquelles s'est livré Lucas, elle n'est pas anodine parce qu'elle montre que depuis notre arrivée, la démocratie participative, elle est vivante et elle marche bien.
Alors après, attention, hein, moi je ne suis pas un béat non plus de la démocratie participative, parce que, attention, elle rentre parfois en conflit avec la démocratie représentative. Et je crois que dans une démocratie représentative, les instances élues doivent avoir le dernier mot. Alors après, ça n'empêche pas un certain nombre de dialogues, et je crois que là-dessus... mais c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver, et c'est tout l'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre les deux démarches, qui sont, à mon sens, complémentaires. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question orale. Alors... Je vous propose maintenant, bon, on s'est exprimé là-dessus, je vous propose de lever la séance, cette fois, et maintenant que la séance est levée, de donner la parole aux membres présents qui sont dans la salle du conseil municipal, ou éventuellement s'il y a eu des questions sur Internet. Alors, la parole est à la salle, je vous en prie.